Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le talk la web TV sur Web la web TV de Web Je m'embrouille voilà parce que j'ai tapé un message sur le chat juste avant qu'on soit en direct et j'ai tapé j'ai fait des fautes de frappe. En tout cas je vous salue cette émission est en accès libre et elle est possible que grâce aux sociaux qui nous soutiennent donc devenez sociaux si vous le pouvez. Je vous présente à toutes et tous tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2023. Socho Mercato Bilan, souhait 2023, Coupe de France. Voici les thèmes qui seront abordés dans cette émission. Bienvenue, Jonathan D'Agostino. Bonsoir, bienvenue et bonne année à tous, malgré ma voix cassée. <laughs> un peu, un peu, un peu arrumée aussi. Un peu, peu arrumée, oui, mais c'est surtout la, la gorge qui tire un peu. Mais bon, je, ah. je me devais d'être là ce soir. J'avais déjà raté le ne faut pas rater Deux, ah. deux, deux talks d'affilée quand même. Ah, voilà. c'est beau, c'est beau. Quelle, euh, quelle assiduité. Hein. Ouais. C'est ça, mais. On essaye. Le réveillon s'est bien passé, ça a été rude Tu fini euh, torse nu euh, non, heures, non, 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 j'ai pu. C'est plus les mêmes réveillons qu'il y a, qu a 10-15 ans. Là, on est quand même beaucoup plus. Je suis avec des gens qui sont quand même maintenant euh, 30, 40 ans. Donc maintenant, on est quand même assez soft dans ce qu'on fait. Donc euh, c'était un très bon réveillon avec, avec les amis proches. Donc c'était très bien. Ça m'allait très bien. Bon. Parfait. Bonsoir, monsieur Thomas. Et bonsoir. Bonne année, tout le monde. Hein. Bonne année, chat. Au plaisir d'être ici pour ce début 2023. Mais bonne année à toi aussi. Que du bonheur et, et la santé. Bonne année, monsieur David Guzman. Ah, bonne année, Nicolas Pourquoi Pietrelli. Bonne année, bonsoir à tout le monde et bonne année à tous les socios, tous, mes, tous nos auditeurs, mes mmh. meilleurs vœux, vœux de bonheur, santé, prospérité, tout ce que vous désirez. Et un petit coucou à Jérôme, je sais qu'il qu nous écoute, qu'il est, qu est très, très assidu. Et euh, il, il a dit quelque chose qui m'a énormément touché. Jérôme a dit "Écoutez le talk de Web Girondin, ça me fait oublier en fait le, le quotidien." Et donc en fait, je trouve que c'est euh, c'est magnifique. C'est si on peut aussi en fait servir à ça et apporter un peu de décontraction en fait euh, à, à, aux gens qui nous écoutent. Très franchement, j'étais, j'en suis euh, honoré. Donc voilà, oui, on, on, on salue Jérôme. Ouais. On va et essayer et en 2023 de toujours apporter euh, compétence, bonne humeur, euh, décontraction, passion, et de des coups de gueule aussi. Hein on se tout souvient tout la tout semaine tout dernière, Gino <laughs> qui sur la table. Euh, <laughs> voilà. Et Gino, on va, le, on va le saluer. Bonsoir Gino, avec qui on a encore des petits soucis d'Internet. Salut Gino. À peine. Salut, bonne, euh, bonne année à tout le monde. Et notamment, je voulais passer le, le petit coucou à Nico, à son petit Théo, qui est mon voisin de stade, et à des amis de tribune, à, à qui je souhaite une bonne année. Eh bien, on les salue, on leur souhaite également tous nos voeux. Allez, je vois que ça se connecte, allez-y, partagez, likez. Nous sommes en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, et bien sûr sur webgirondin.com. On pense à s'abonner à nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre. On est 10 432 sur cette chaîne YouTube, 4 sur le cap, pardon, sur les 10 450. C'est gratuit. En plus, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez pas participer aux magnifiques discussions qu'il y a sur le chat. Donc, euh, abonnez-vous euh, et qui sont modérées euh, par Thomas. Et attention, hein, il, fait le, euh, il fait la police, Thomas, sur le chat. Mais ça Mais va, c'est Je, est je ne modère très pas correct. le chat, ce n'est pas possible. Je ah, ne tu modère modère pas pas. non tu ne pas Je pensais que tu le faisais. Pas du tout, je n'ai pas le rôle. D'accord. Bon, bah, ah, on le dirait, alors, c'est bon. C'est ah, bon, les... voilà, <laughs> quoi alors bon, les... ah, mais si, tu as ton nom, euh, nom d'une certaine couleur dans le chat. Ah bon Sur YouTube, sur YouTube. Ah, 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 sur YouTube, ah, 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 sur ah, YouTube. sur le chat, ok. Voilà. voilà. Allez, en tout cas, euh, mais c'est vrai que les, les commentaires sont toujours euh, très, euh, très, euh, très courtois. Voilà, et si ça ne l'est pas, de toute façon, on bannit. Comme ça. Euh, on ne perd pas de temps à modérer. Voilà. <laughs> voilà, je, je suis désolé, euh, mais, mais c'est comme ça. Bienvenue aux sociaux. Merci de nous soutenir. 244 sociaux aujourd'hui et à nous abonner. Bienvenue à Thierry qui nous a rejoint et qui a connu euh, les émissions l'année la, dernière, il y a un an, et qui est supporter euh, des Girondins depuis euh, de nombreuses années. Je vais vous euh, partager d'ailleurs euh, le lien. J'ai décidé de le faire parce qu'on me demande souvent le lien hop, au début de chaque émission. Voilà le lien si vous souhaitez avoir les informations pour devenir sociaux. Mais avant de commencer et de vous présenter euh, le sommaire, une pensée et des mots pour euh, Ruben Cutran, qui est décédé vendredi à l'âge de 20 ans. C'est un ancien pensionnaire du centre de formation des Girondins. Il y était de 2017 à 2022. Et c'est le club bordelais qui a annoncé sa disparition ce samedi. Auprès des formateurs et salariés des Girondins, Ruben Cutran était décrit comme un jeune en or, un bon footballeur, un garçon calme, discret, mature, avec de magnifiques valeurs. C'était un coéquipier travailleur qu'on rêve tous d'avoir et on est tous très tristes à témoigner un salarié du club auprès de Web Girondins. Nous nous associons sur Web Girondins au chagrin et nous présentons toutes nos condoléances à ses proches et à sa famille. Voilà. Donc, euh, on pense à eux et à lui. Allez, messieurs, on va attaquer le sommaire de cette émission. Bordeaux Sochaux, les enseignements. Ça sera la première partie. Ensuite, je vous ai. Alors, mon bilan 2022, c'est un petit peu une petite série qu'on met qu en place sur Web WebGirondin en ce début d'année. Vous faites votre bilan. Vous avez vu celui de David glusman qui a été publié euh, sur, euh, sur le site. Web ouais, Girondin, vous avez vu celui de Samuel Vasselin, vous avez pu lire le mien. Euh, bon, David, tu pourras redire ce que tu as dit, tu non, dis ce sais. que tu veux. De toute façon, c'est libre. Vous aurez celui de Gino et celui de Joe. Thomas aussi, tu pourras donner le tien si tu le souhaites. Euh, ensuite, euh, on parlera des souhaits 2023. On se projettera sur cette euh, nouvelle année euh, en, avec les Girondins, ce que vous souhaitez. Donc, c'est euh, intéressant de le faire. Bordeaux-Rennes, comment aborder cette rencontre de Coupe de France on regardera ça ensemble. Et enfin, Mercato, Info Rumeur, il y a quelques petites choses qui sont sorties aujourd'hui. Donc, euh, on en parlera toutes et toutes ensemble. Je ne sais pas si ça se dit. Toutes et tous. Toutes et tous plutôt que toutes et toutes. Hein. Toutes et tous ensemble. Allez, euh, on va commencer par euh, le, les enseignements de ce match entre. Bordeaux et Sochaux, victoire et bravo à Gino qui avait donné le score de buts à 1 la semaine dernière dans le talk. Bravo à Gino et bravo à Samuel qui avait fait pareil. Jonathan, on t'écoute, on commence par toi. Tu étais au stade, quels sont les enseignements ouais. que tu tires de ce match entre Bordeaux et Sochaux On t'écoute. Ben pour ce dernier match de l'année, euh, déjà ce qui est bien c'est qu'on a cassé une mauvaise série de trois matchs en victoire avec deux défaites et un nul euh, et un seul but marqué sur les dernières sorties en championnat. Euh, bon la série ne paraît pas si longue parce qu'elle a été entrecoupée avec le match de Coupe de France qu'on a gagné à Trélissac et la Coupe du Monde. Mais on avait perdu quand même euh, notre place dans les deux premiers, qu'on a pu récupérer euh, ce week-end. Euh, et en plus, y a, il faut dire aussi que les résultats étaient plutôt bons aussi sur la journée, enfin plutôt bons pour nous du coup euh, lors de la dernière journée, donc, euh, que ce soit devant ou derrière. Donc c'était quand même une très très belle opération euh, par rapport à la série, par rapport effectivement au classement. Voilà, on dit, on, on dit souvent en Ligue 2, la montée se joue quand même sur les séries. Euh, donc cest à qu'il faut faire effectivement, il faut fouticher les bonnes séries et limiter qu'assez vite les mauvaises. On avait une mauvaise série qu'on a su casser quand même assez rapidement. Donc, euh, donc, donc tant mieux pour nous et c'est de bon augure pour la suite, on, on va espérer. Le côté positif, et ça, c'est mon deuxième point. Euh, ce que je retiens dans cette victoire, ce sont les efforts collectifs euh, pour aller chercher la victoire, malgré un scénario qui aurait pu nous faire plonger. Euh, J'ai vu, hein, notamment en premier temps, Bakwa et Zurico défendre, comme rarement je les ai vus, et faire les replis comme il le fallait. Un Bokele qui s'arrachait pour revenir à la perte du ballon. Euh, un investit euh, à son entrée en jeu, sauf ce que je n'avais pas vu depuis le, depuis le début de cette saison. Euh, et en plus de ça, ce sont nos individualités qui avaient un peu disparu des radars offensifs, Maja et David Vidi, qui ont fait la différence. Euh, on a eu pratiquement autant d'occasions que face au Havre, cependant cette fois-ci, on les a bien terminées. On a réussi à faire le dos rond en plus et à tenir le score à la fin euh, grâce, grâce au collectif pour moi. Et. Je n'ai pas l'impression d'avoir de l'avoir beaucoup, beaucoup vu depuis le mois de septembre, justement, ce côté collectif. Donc, euh, j'en suis, suis content, j'en suis satisfait. Je l'attendais depuis un petit moment et j'ai vu une réponse collective, euh, notamment après le match du Havre, qui m'a plu. Tout n'est pas parfait, mais au moins, il y a quand même eu des choses qui ont un petit peu changé, qui ont été améliorées. Donc, euh, donc quand même, bravo par rapport à ça. Maintenant, et ce sera mon troisième point. Euh, nous sommes quand même forcés de reconnaître encore une fois que nous avons de grosses lacunes qui nous empêchent de maîtriser, de savourer pleinement cette victoire, déjà l'entame de, des demi-temps, comme face à Nîmes face à Trélissac ou Le Havre on les rate euh, alors qu'en début de saison l'entame des matchs était plutôt l'une de nos forces justement, enfin, entame de, les entames de demi-temps en tout cas, dès la deuxième minute on voit que Poussin sort une grosse parade sur une action euh, issue de deux passes issue d'une touche, parce que les joueurs étaient encore loin de leurs joueurs on a toujours cette sensation de réagir plus qu'on agit et de subir les événements dans la majorité des 90 minutes de nos matchs. Quid aussi du coaching de Guillaume, qui a eu du mal à faire les choix des sortants, notamment lors de la première session des changements, où il semble en plus faire sortir les deux meilleurs éléments à ce moment-là. Et surtout, ce qui commence à me faire douter sur Guillaume, c'est ces de... cette entame de seconde mi-temps. L'entame de mi-temps à la base, mais surtout cette entame de seconde mi-temps où. On était un peu le cul entre deux chaises. On ne savait pas s'il fallait jouer haut, s'il fallait jouer bas, s'il fallait conserver le ballon, jouer en contre-attaque. Le bloc était complètement étiré. Et on le voit sur le but. Euh, on voit que les joueurs n'étaient plus du tout en place à la perte du ballon. On le voit sur le but. Le, le joueur qui frappe est tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Et en plus, il y a eu beaucoup de déchets à ce, à ce moment-là. Donc la question que je me pose, c'est de savoir s'il y a eu des consignes claires du coach à la mi-temps que les joueurs n'ont pas su appliquer ou si on leur a juste dit de continuer sans précision, et là pour moi, ça serait quelque chose de un gros raté de la part de Guillaume pour moi sur le sur le sur, sur, sur l'entame de la seconde mi-temps. Voilà. Donc le résultat positif, l'effort collectif et la mobilisation des joueurs qui ont réagi mmh. après le Havre. Et euh, en trois, tu regardes les axes de progression mmh. avec euh, les lacunes et les débuts ouais. de mi-temps ratés. Et le coaching, tu te poses des questions sur les sorties et sur le comportement de l'équipe en deuxième période. Oui, le coaching fait ça le coaching et euh, effectivement le, le, le discours qu'il y a eu à la mi-temps, qu'est-ce qui a été mis en place par Guillon euh, où là j'ai senti l'équipe un peu plus démunie euh, sur la table de ce commutant, j'ai semblé vraiment. Enfin, je ne savais pas en fait quelles étaient les consignes, s'ils jouaient haut, bas, s'ils jouaient la possession, la contre-attaque, etc. On les sentait perdus. Et moi, franchement, au stade, je me disais, mais oula, euh, on est en train de se. de perdre. Enfin, on, est, on entre guillemets, on se met en danger. Moi, je l'ai senti comme ça. On va en parler. Eh bien, merci Joe, on va écouter Gino tout de suite. Monsieur Gino Forte avec un magnifique bonnet, quels sont tes enseignements, Gino On t'écoute. Ah, attends. Voilà, c'est bon. Vas-y. Ouais, le premier enseignement, Nico, ça me paraît, qui me paraît important de, de, de donner, c'est sur la séquence qui est cruciale. Euh, après cette défaite au Havre, et une réaction qui était attendue et que j'ai trouvé bien l'équipe. Alors, il n'y a pas eu que, que du positif. Hein. Euh, Joe l'a dit, on a été notamment euh, dominé collectivement, je trouve, par Pau, qui, euh, euh, qui est actuel, avec pas mal de possessions de balles et des occasions vraiment tranchantes, à l'image de celle qu'a sorti Poussin, mais il en a eu déjà deux euh, grosses à sortir mmh. sur cette première mi-temps. Malgré tout, je nous ai trouvé beaucoup plus Tranchant, euh, que ce soit par nos individualités qui étaient plus en verve, euh, à l'image de Zurico David Juilli, qui met un superbe but, mais qui a été très actif, un bas-poids aussi d'effort dans le remplacement des. et qui est mieux, euh, et euh, l'attaque, que j'ai trouvé aussi euh, plus intéressante, que ce soit Maja, beaucoup plus trouvé entre les lantins, l'association avec Badji, qui me paraissait plus. Intéressante à voir et un bad plus concerné, je trouve, et qui a mis la à, à, à cette défense alien. Donc j'ai ai plutôt aimé cette réaction, malgré cette seconde période qui est, où, où on a été beaucoup plus difficulté où on était sur le reculoir et, et Sochaux, qui était quand même là pour prendre un point chez nous. Voilà, la, la réaction m'a paru euh, plutôt saine de l'équipe et je, je trouve que c'est plutôt intéressant pour la suite de la saison. Le deuxième, c'est sur David Guillon, comment ne pas en parler. Je sais qu'on peut être un peu Les euh, changement qui ont, ont été. Euh, notamment quand les meilleurs joueurs du match sortent, à l'image de Zurico, qui était plein de gens mais plein de feu. Moi, j'ai envie de dire qu'il a quand même persillé signé. Euh, on va parler de la tactique qui continue à être en course, 4-4-2, qui prend ses marques. Et le fait d'avoir remis les mêmes hommes qui avaient totalement échoué ce lundi face au Havre, je trouve que c'était une idée plutôt très intéressante de la part de David Guillon pour les remettre sur le feu et voir de quel bois ils sont faits ces joueurs-là. Et dans l'angle, ça a été plutôt une stratégie qui a été payante puisqu'on ressort avec cette victoire. Donc moi, j'ai envie de dire à David Guion de continuer sur certains principes, notamment tactiques, et sur ce qu'il est en train de faire au niveau du groupe. Le troisième, comment ne pas en parler J'ai envie de dire, ce junior qui est si bluffant et <laughs> parler de Mwanga au milieu de terrain qui fait encore un match vraiment plus qu'intéressant, notamment en première mi-temps où il a deux passes qui vont faire beaucoup de mal à la défense socialienne et qui vont amener deux actions de but qui ne seront pas décisives mais très loin. Je trouve qu'il est en train de prendre ses marques. C'est un joueur différent des milieux de terrain qu'on a actuellement, un milieu finalement, et qui est une espèce de surprise, mais pas tant que ça, quand on a vu la, les caractéristiques du gamin. Dès le début de la saison, on en a beaucoup parlé, la sérénité, l'apport technique, très brillante idée de, de ne pas le laisser sur le banc. On l'avait dit pour la défense centrale, mais là, le mettre dans ses dispositions au milieu de terrain. Eh s'éclaircit au milieu de la grisaille de ce milieu de terrain. Et encore une fois, bravo au coach de le voir ainsi. Et on souhaite à Junior de continuer ses progrès et de continuer sa progression comme ça, parce que ça nous fait vraiment plaisir de le voir évoluer. Merci Gino euh, pour ces enseignements. Donc, tu as retenu l'équipe tranchante avec la réaction euh, notamment du duo Bajima Jam et pas que. Tu as retenu le coaching de David Guillon et les choses oui. intéressantes qu'il a fait euh, dans ses choix, notamment en reconduisant les, les mêmes joueurs. Et enfin, tu soulignes Junior Manga qui a progressé euh, et qui a bluffé euh, au milieu du terrain. Monsieur, Dav merci Gino. Monsieur David Gluzman, on t'écoute. Alors déjà, euh, Gino, bravo. Tu t es, t es passé au premier poteau, en fait, premier poteau, premier servi, tu me prends manga, qui était mon, mon troisième point. Donc, <laughs> donc, euh... donc je, voulais, je, voulais je voulais le souligner, non, je voulais vraiment le souligner parce que c'est vrai que il y a une polyvalence assez bluffante. Moi, je faisais partie des. Il y a des preuves vidéo, hein, Je faisais partie des sceptiques euh, euh, de, de, sur le fait de monter manga en milieu de terrain. Euh, il, alors, je vais peut-être être, être un, je vais tempérer un tout petit peu l'enthousiasme. Il a été très bon, bluffant surtout dans, pour un second match au milieu de terrain. Après, est-ce que c'est pas un effet euh, aussi comparatif par rapport à, à la pauvreté de son partenaire de, 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 au milieu Je me pose un peu, de, un peu des questions, Mais, euh, parce qu'il fait, il fait deux bonnes prestations ce n'est pas encore des prestations euh, lumineuses, mais deux très bonnes prestations. En mais je pense que c'est surtout de très bonnes prestations en comparaison, en fait, de ce qu'on a pu connaître au milieu, à part de la qui avait fait un bon début de saison et euh, de nos habituelles lacunes. Bon, ça, voilà, c'est mon premier point qui a été évacué, du vêtement troisième qui a été évacué. Mon premier point, ce sera le plancher. Donc, je ne vais pas vous parler de bâtiment ou de rénovation. Cette... Euh, ah bon. cette cette rencontre, non, cette rencontre confirme que, je, et même la rencontre du HAF confirme qu'il euh, en faut beaucoup, 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 beaucoup pour nous mettre en, en, en difficulté et que même dans un jour relativement moyen, on arrive à euh, être en position de faire un résultat. Comme au Havre, où on mérite la défaite, mais où avec un peu plus d'adresse, on aurait pu repartir avec un point. Et là, contre Sochaux, où on fournit une prestation que je qualifierais de moyenne, moyenne plus, on a capitalisé sur nos temps forts. Euh, on a su mieux défendre, d'ailleurs, euh, Vitalen Simbal a dit à, à, à 10 qu'à 11, mais contre une équipe qui fait partie clairement du top 5, voire du top 3 de, de, de Ligue 2, avec des joueurs de qualité qu'on n'a pas d'ailleurs à certains postes, je pense notamment à un, Gaë, à un Gaëtan Wojtek ou à un Ibrahim Tissoko, mmh. on a réussi sans forcément produire une grande prestation, grâce notamment à une très grosse entame de match de Gaëtan Poussin. Je pense que psychologiquement, ça aurait été intéressant de voir comment le match se serait déroulé euh, si on avait pris le premier but, après la déception euh, du Havre. On voit quand même que cette équipe, si je pense qu'elle hein, a un, un plafond plus bas que certaines de ses, euh, de ses concurrentes, notamment Le Havre, notamment Sochaux, voire même Metz, qui avec l'effectif, euh, voire même Saint-Etienne, qui avec la qualité de l'effectif, pourrait, voire devrait, performer mieux que nous, a un plafond très haut, descend rarement. En dessous d'un seuil de performance. Et je suis, pas dire convaincu, mais euh, pas, pas, pas persuadé, mais je pense que euh, sur le long terme, ça nous permettra de ne vraiment pas être loin du tout, du tout, du tout des, euh, des deux places euh, qui permettent de monter euh, directement. Je pense que vraiment, on a euh, un, une, une qualité minimum. Qui nous permet de toujours soit grappiller des points, soit pas être loin du, loin du compte, soit prendre les trois points, sans, ce, sans obligeant David Guillon à mettre finalement plus en place que ce qu'il nous propose. Donc après, c'est un peu l'œuf le, le, et la poule, le serpent qui se mord la queue. C'est que euh, est-ce que, euh, il, est -ce que est le fait d'engranger de des points, ça, le, ça va le pousser à mettre autre chose en place, ou est-ce qu'il euh, va consolider, consolider ses actifs Bon. Voilà, mais c'est vraiment cette notion de plancher assez haut que moi je trouve rassurant en point positif et qui encore une fois se, se, se vérifie. C'est-à-dire que même dans, quand on n'est pas dans un jour euh, incroyable, même sans, même euh, quand on maîtrise pas plus de 45 minutes dans la rencontre, sur un temps fort, on arrive tout de même à, 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 à repartir avec la feuille. Et ça, c'est euh, positif. Mon troisième point est un petit peu plus tactique. C'est la gestion. Alors, on entend beaucoup, de, c'est à la mode de parler d'interlink, de demi-espace, mais je trouve que le positionnement de David Ashvili et de Bakwa a été absolument crucial sur cette rencontre, surtout sur la première mi-temps. On a vu les deux jouer faux-pieds, on a vu les deux jouer beaucoup plus à l'intérieur, on a vu les couloirs occupés par Bokele et par Ensimba c'est cette gestion de la largeur, qui n'avait pas été efficiente du tout, je trouve, avant la trêve, qui nous permet justement de livrer une copie offensive un peu plus intéressante. C'est-à-dire qu'on a mis du monde à l'intérieur du jeu, on a laissé les couloirs à ceux qui l'occupent le mieux, et ça a permis justement, entre les lignes, par la qualité technique de David Ashvili et de Bakwa, de créer de la confusion. On a vu que plusieurs fois, en rentrant David Ajuili, et eh bah ben quoi David Ajuili l'avait déjà fait au Havre. On a pu améliorer, trouver un petit peu, peut-être pas de, de fluidité, parce que ce serait un grand mot, mais apporter un peu plus de danger. Donc voilà, c'était mes trois points en fait que, que je voulais mettre en, en, en avant sur cette rencontre. Donc, manga, le plancher et l'utilisation des ailiers. Exactement, en, en, en jeu intérieur. Exactement. En jeu intérieur. Ouais. Eh bien, merci messieurs, c'est comment sur le chat Monsieur Thomas Ah, ça, ah, ce que ça note, euh, j'ai retenu quelques messages. Alors, ça a parlé des prestations, <laughs> vous avez parlé de Manga, et moi, ça a parlé de Greg Kersen, le match de Greg Kersen, qui est apparemment ouais. taille euh, le Viking, taille patron le plus régulier depuis le début de saison, noté par Auna. Quand même, qui veut dire. Euh, mais lui, il a noté l'enseignement que, euh, que quand même, à 10 contre 11, la victoire est là, peu importe la manière et j'ai Alain que lui il est un peu en mode euh, alors que ça il crache pas dessus sa victoire mais 38 de ballons à domicile c'est pas suffisant ça montre bien la médiocrité du milieu et la pauvreté technique des joueurs hormis deux trois. Et bon moi, ça est on un, était à est Un 11. point que j'aimerais bien approfondir sur 2023. Je pense je me le suis gardé un peu une poire pour la soif comme on dit. Et <laughs> eh ben, très bien, très bien. Il y a GG qui dit Thomas dormez, Nico. Non non, non c'est faux. Non. <laughs> non, Sinon je n'en pas les messages, hein, c'est très simple. Ah et ben oui, et ben, la preuve, voilà, donc euh, ah oui. GG, mauvaise langue. <laughs> Et oui. Voilà. Euh, euh, Jamel, euh, je ne suis pas une balance, mais je pense que GG était, était au premier rang de la classe à l'époque, Olivier. Je pense. Que ouais. 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 <laughs> on sait de quel côté il était en 40. Non. Ah. <laughs> oh non. <laughs> oh non. non. non c'est de l'humour. C'est de oui. l'humour. Je te rappelle, parce qu'on ne peut plus rien dire, c'est de l'humour. Ouais. Hein. Gégé, on te salue. <laughs> D'ailleurs, GG grand fidèle, mais toujours pas sociaux. Voilà. Donc, euh, oh bah ouais. gégé. À chaque fois, il nous dit « Gégé, Gégé bon, ». Hein. Je rigole, parce qu'en plus, Gégé, il a, la... il a le clavier facile. Hein. Des fois, il nous envoie de ses, de ses punchlines. On l'aime bien. Il dit « Ok, je me tais ». Bon, il s'est vexé, mais non, oui. Gégé. <rire> Allez, <rire> bref. On continue dans la bonne humeur. On commence cette, euh, cette émission dans la bonne humeur pour l'analyse Bordeaux-Sochaux. Alors, messieurs, on va partir sur le premier point, c'est Guillon. Gino a dit beaucoup de bonnes choses sur David Guillon, mm. euh, notamment sur. Et je trouve que c'était très juste ce qu'a dit Gino sur son choix de remettre la même équipe. On peut dire que c'est payant. Toi, Joe, tu t'es interrogé sur le, mm. le coaching. Euh, Gino, j'ai envie, on sait qu'on a un petit décalage de quelques secondes. J'ai envie de te donner la parole tout de suite pour introduire ce sujet sur David Guillaume, et ensuite, réponse. De Joe sur le coaching et, et de David. Vas-y, Gino. J'entends une télé derrière. Non, je trouvais elle, que c'était une qui... prise ah, de position. Ah, oui. Vas-y, Gino. Ouais, je trouvais que c'était une réelle prise de position de David Dion de ne pas faire de réels changements, à part Bokele qui était obligatoire par l'absence la, de, de Michelin, mais qui finalement en plus a. Plus que bien tenu son poste. Mais avoir une continuité euh, sur son système, remettre des hommes qui auraient eu, à mon sens, un esprit de revanche. Et ils en ont parlé, notamment Vitalen Simba, euh, qui a dit on, devait, euh, on se devait euh, de remettre un peu le bleu de chauffe, quelque part, et de revenir par rapport à cette performance qui n'était pas bonne. Euh, ils en avaient parlé. Donc je trouve que ça a été plutôt euh, intéressant sur la porte psychologique aussi au niveau de son groupe, de lui donner aussi une certaine confiance. C'est ce que fait d'ailleurs je trouve. Il ne sort pas les joueurs pour les sortir, mais il leur donne une espèce de confiance que j'ai l'impression qu'ils rendent globalement sur cette saison. Et personnellement, ça m'a plu, notamment d'avoir des joueurs qui ont eu très peu de temps de jeu et qui commencent à être associés ensemble. On les a tancés à juste titre, mais il faut qu'ils aient aussi des manières d'avoir de, des des rapports techniques et des rapports en termes de combinaison dans le jeu. Et je parle notamment du duo d'attaque avec Badji et Madja, dont on a vu des premières choses plutôt intéressantes. Donc, je trouve que David Guillon, globalement, a fait quelque chose qui est plutôt bon pour l'équipe. Joe, sur le, le fait de reconduire, moi, j'ai envie de rejoindre Gino parce que tu te dis il n'a quand même pas 10 000 solutions, David Guillon. Ah non, après la. Là... Moi, alors j'ai été surpris, je pense, comme beaucoup au début du match, de ne pas avoir ni Lacou ni Frontier sur le terrain. Je pense, je pense que beaucoup se disaient euh, ils n'ont pas joué effectivement euh, euh, là contre le Havre trois jours avant, le match a été compliqué, donc on se disait qu'il y avait peut-être avoir un champ au milieu. Finalement, il a reconnu son équipe, à part Michelin, mais Michelin, il n'avait pas le choix parce qu'effectivement, il était en protocole commotion. Donc après, Bokele était l'évidence. Euh, moi, ce n'est pas ça qui m'a dérangé. Tout ce que je sais, ils ont travaillé surtout devant le but durant le, le seul jour d'entraînement qu'ils ont eu entre les deux matchs. On voit que ça a apporté ses fruits. Hein. Euh, qu'offensivement effectivement, on a vu une... on a vu que le message est très drôle. <laughs> ouais, il est très bon, il est très bon. <laughs> La crise énergétique, les gars, on rigole pas. Ah, les ouais, Et voilà, attendez, les gars, moi j'ai le plaid. Hein. Voilà. <laughs> ah oui, d'accord. Ah, oui, jusqu'à là. Ouais, ah, ouais. ah mais ouais. Le ah, plaid un... de grand-mère. Ouais. Attendez. Euh... Et l'électricité après Pareil aussi. Il... Ah ouais. Euh... Euh... Bon, vas-y, Joe, Pardon. Bah, ben, je sais. Plus que je, disais. je disais que du coup là, ils ont travaillé devant le but, ils ont travaillé l'attaque et on l'a vu notamment sur le deuxième but. Euh, L'action, elle, elle est, très bien construite. Euh, pour une fois, Badji a été utile en jeu parce qu'il avait, parce qu'il y avait des joueurs aussi qui étaient proches de lui. On a vu de la projection de la part de Bakoua, de Zurico. On a vu Maja un petit peu libre sur le terrain qui parfois revenait chercher des ballons, etc. Donc, on a senti effectivement par rapport à ça un travail qui a été fait, qui a été bien fait. Moi, ce qui m'a gêné encore une fois. J'ai du mal à comprendre ce qu'on fait dans les entames de match. Peu importe la composition, les joueurs qu'on a, etc. Et tout, euh, je veux dire, à chaque fois, tu prends Rodez, Guingamp, Queville, Paris FC, Saint-Etienne, Dijon, Laval, Nîmes, Le Havre. Euh, le point commun de ces matchs-là, c'est que la diffusion se fait dans le premier quart d'heure à chaque fois, tu as l'impression. C'est-à-dire que si tu rates ton entame de match, vu qu'on n'a pas la capacité à chaque fois de revenir, sauf exception contre Pau, dès qu'on prend le premier but ou dès qu'on rate on va dire, une entame de match, Généralement, le match, on le perd, dans la majorité des cas. Par contre, dès qu'on réussit qu table de match et qu'on marque dans le premier quart d'heure, à tous les coups, on gagne. Je ne sais pas pourquoi, en début de saison, c'était notre force. Maintenant, c'est devenu notre faiblesse, les entames de mi-temps. Je ne pense pas que ce soit une question de composition de joueurs, etc. Je pense que la problématique, la problématique elle est devenue mentale à ce niveau-là. Et ce qui m'a déplu, comme je l'ai dit lors de mes enseignements, c'est qu'à la mi-temps, on mène 2-0, on gère plutôt bien le match. Après les, après les deux buts, même si entame de match c'est ça, c'est la faute de David Guillon et Non, mais c'est une question que je me pose. Je ne dis pas que c'est la faute de David Guillon, c'est ce que je te dis. C'est qu'il y a quelque chose où je, soit il n'a pas mis encore le doigt dessus, ou soit il n'a pas encore trouvé la, effectivement, la solution par rapport à ça. Mais le coaching en plus de faire sortir Zurico et Maja, qui étaient pratiquement les meilleurs joueurs à ce moment-là, moi, m'a posé effectivement problème. C'est qu'il y a plusieurs questions qui me sont posées au fur et à mesure du match. Et quand tu repenses depuis le début de la saison, tu as quand même des choses qui se répètent, malheureusement. Et surtout. C'est dans les temps les entames de mi-temps, elles sont cataclysmiques. On va pas se le cacher. Hein. Contre le Havre, les entames de demi temps, elles sont pas bonnes. Contre Nîmes, l'entame du match, c'est catastrophique. Et so Avantron aussi, pau so, so, so aussi. Souche aussi, aussi. Même si peau, dans mes souvenirs, on a quelques occasions etc. C'est au fur et à mesure le premier temps où on s'effrite un petit peu dans mes souvenirs. Mais bon, en tout cas pour moi l'entame de match, n'est pas encore effectivement et, et c'est quand même un petit peu raté. Mais quand tu le fais, regardez le le but qu'on prend. Tu vois que l'équipe, elle est coupée en deux, encore une fois. Tu vois que les Sochaliens, ils sont libres. Tu vois que Gregersen, il recule, il recule, il recule. Alors, s'il s'arrête, comme le Havre qui fait ça contre, contre nous sur l'action sur de but de badji le Havre, Lloris il s'arrête. Gregersen, oui, s'il s'arrête, il n'y a pas but non plus. Hein. On voit que tous les joueurs, ils sont un peu perdus à ce moment-là, effectivement, à l'entame de seconde mi-temps. Alors que la première mi-temps, on part sur un temps faible. On reprend le lead pendant deux minutes. On met deux buts. Tu vois qu'on reprend confiance, on est bien. Et on réattaque la mi-temps en étant apeuré, en étant perdu. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, à chaque entame de mi-temps, on n'arrive pas à rentrer correctement dans le match Je pense que Guillon a une problématique à régler à ce niveau-là. Je pense que le joueur entre okay. avec des doutes ou avec en tout cas des choses qui ne sont pas claires pour eux. Et c'est à ce moment-là que Guillon, effectivement, il a fait de bonnes choses depuis le début de la saison, on ne va pas se le cacher. Mais pourquoi ces entames de match et voire même maintenant de chaque mi-temps ne sont pas bonnes on va, on va tenter d'y répondre, mais sur le fait, quand même, qu'il est. C'était plutôt une réussite d'avoir aligné ce, ce 11. Mais non, y a, pas forcément de, pour toi. Il y a eu de réussite. Mais moi, moi, je pense plutôt que la réussite, elle, elle, elle est dans le fait qu'il y a eu un effort collectif. J'ai vu une équipe différente face au Havre parce que j'ai vu des joueurs faire des efforts collectivement voir des replis, voir Boukele qui perd un ballon et faire un sprint de 50 mètres pour revenir et du coup ça empêche les Sochaliens effectivement de créer une attaque derrière j'ai vu des choses que je ne voyais pas auparavant par rapport à ça et offensivement il y a aussi une problématique qui a été réglée par Guillaume donc pour lui il, y a... il, il a travaillé c'est pas ça que je remets en cause mais il y a une problématique que moi je vois trop régulièrement depuis ces derniers mmh. matchs c'est ces entames de mi-temps et ces doutes qu'on voit qui font qu'on ne peut pas maîtriser entièrement un match et qui font que face à, face à ce show, on s'en sort plutôt bien parce que collectivement, il y a une réponse, mais on était quand même pas loin de repartir aussi avec un match nul à l'arrivée. Il ne faut pas non plus se, faut pas non plus se, voilà, fait, David, se voler la face par rapport effectivement à, à la physionomie du match aussi qu'on a vu. Tu n'as pas parlé dans tes enseignements du travail de David Guillon Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'a dit Gino, par rapport à ce que dit Joe Non, euh, non, tu non. Non tout à fait, alors je, je me situe, euh, alors c'est pas, pas du tout parce que je passe en dernier que je vais, je vais prendre en fait le parti de me situer un peu euh, entre les deux, d'ailleurs je, je tiendrai à rappeler en préambule que moi j'étais vraiment un partisan de maintenir du maintien de David guillon je lui ai reconnu énorme, Enfin, je pense que pour dans la situation financière, sportive, dans laquelle on était et on est, c'est toujours quasiment un des meilleurs entraîneurs extérieurs qu'on qu aurait pu avoir que, au mois d'août, juillet, août 2022, le FC Jordan de Bordeaux était chanceux d'avoir un entraîneur de, 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 du, 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 enfin, du calibre entre guillemets de l'expérience avec l'expérience mm -hmm. de David Guillon, parce que peu d'entraîneurs extérieurs ont accepté le challenge. Mm -hmm. Cela dit, je pense que le match de Sochaux exemplifie ce qui est David Guillon, c'est-à-dire que euh, oui, Gino a raison sur l'aspect mental, on était là. C'est-à-dire que euh, il arrive à gérer le groupe, il arrive à finalement à emporter l'adhésion des joueurs parce qu'il leur fait confiance. Il envoie un message fort à son groupe en disant Voilà les gars, vous avez failli au Havre, je vous retitularise quasiment tous contre Sochaux. Donc je pense que le groupe est réceptif, c'est un message positif envoyé au groupe. Il leur tend la main, il leur redonne une seconde chance il ne joue pas le rôle du père fouettard. Donc là, psychologiquement, c'est un bon coup. Je pense que c'est malin. De, de, il n'a pas 36 solutions tactiques, mais c'est malin. Après, je vais repartir, traverser le filet, je vais aller du côté de, de, de Jo. Je trouve que sa gestion du match, du, sa lecture du match, laisse à désirer, c'est un peu fort, mais me, 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 me porte parfois à confusion. Quand on sait que Sochaux va pousser fort, a les joueurs pour pousser fort, a fait les changements pour pousser fort, avec Kaloulou, avec Dokuto, des joueurs de percussion, euh, avec euh, le, son nom m'échappe, mais ils ont fait rentrer un numéro 8 qui fait quasiment 2 mètres. Mm. Ne sortir Zurico, plus que Maja, on sait que Maja, euh, physiquement, en fait, il décline un peu euh, euh, au, au fur et à mesure de la rencontre. Sortir Zurico, qui est quand même une des seules une seule possibilité d'être dangereux en projection ça témoigne quand même d'une lecture de la rencontre un peu discutable donc en fait je vais pas griller mes cartouches parce que Guillaume reviendra sur euh, mon mes vœux 2023 sur ce que je vois je souhaite un mmh. peu journal de Bordeaux d'accord mais je pense que cette, cette rencontre démontre les, 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 les qualités et les défauts de David être plus que, que beaucoup d'autres. Eh bien, très bien, c'est entendu. Euh, mais sur Guillon, euh, je pense qu'on a tout dit, j'essaie d'avancer dans l'émission. Euh, un mot sur à moins ce que certains souhaitent rebondir avant de conclure le, le sujet David Guillon. Non, après ce qu'on souhaite surtout, c'est qu'il trouvent les solutions et on peut pas, on peut pas négliger et voilà, c'est remettre en cause tout le travail qui a été fait depuis le début de la saison. Voilà, on peut, enfin, moi je le félicite beaucoup, je le remercie pour tout ce qu'il a fait d'être resté malgré tout, même si je n'étais pas au départ pour, mais l'investissement qu'il y met, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tout n'est pas parfait. Euh, effectivement, il y a des doutes qui sont installés depuis quelques matchs. La victoire, elle fait du bien, mais euh, c'est pas du tout une finalité. Donc euh, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses encore à corriger. On a du mal encore à sentir les Girondins maîtriser leur sujet. Et euh, euh, je ne remets pas en cause que Guillaume. Je pense qu'il y a aussi une partie, effectivement, à, à, effectivement, de responsabilité auprès des joueurs. Et notamment les leaders comme et Sima que je trouve moins dedans. Euh, notamment sur l'entame de match aussi, eux qui, effectivement, je trouve l'entame de, de match a été raté, notamment de leur part. Euh, Barbé qui a des soucis de relance euh, qu'on ne voyait pas auparavant et Nsimba qui nous fait une faute à l'entrée de la surface à la fin de premier mi-temps à, à la salle à qu'on ne voyait pas trop non plus par exemple donc il y, 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 y a plusieurs facteurs hein, donc, euh, donc voilà est-ce que les leaders aussi sont aussi entre guillemets euh, sont aussi performants et on sent autant aussi l'impact sur, sur l'équipe globalement j'ai l'impression aussi que ça, ça c'est un peu remis en question mais il n'y a rien de dramatique dans tout ça mais il ne faut pas faire comme on l'a fait par le passé, à laisser les, à laisser les problématiques prendre de l'ampleur et après se dire, oh, mais le problème, de toute façon, il est là maintenant, on, on va devoir faire avec, on ne pourra pas y revenir. Il y a des petites choses, il faut arriver à, okay. à les arrêter pour justement euh, corriger, les, pour, pour corriger le maximum de choses et pour éviter, de, pour éviter effectivement de replonger pour dans le travers. Voilà, <coughs> pour, pour progresser. Et, et je pense que ça, ça s'appelle juste l'ambition. Ce n'est pas que la critique pour être critiqué, c'est juste avoir de l'ambition pour dire, on a la capacité, je pense, de faire mieux sur certains points ça serait bête de s'en priver on parle de toi oui voilà oui, oui de voir les axes de oui. progrès ouais, ouais. Ouais. Euh, Gino tu veux conclure le, le dossier Guillon je vous annonce qu'on va le rouvrir après donc euh... on a globalement <laughs> sur, sur ce match en tout cas ça, je pense que c'est pas mal après on verra sur la suite euh, juste une question oui ça va plutôt GG dit euh, quelque chose c'est par rapport au plan de jeu qu'a mis en place Guillaume les changements qu'il y a eu est-ce que mmh. le rouge de logat de Réchaubé ne l'a pas perturbé Forcé. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place, parce que bon… Forcément, forcément si, mais il était déjà perturbé avant, parce que, parce que quand tu revois la première session de changement, euh, au départ on t'annonce que Badji doit sortir euh, à la télé, et en fait au dernier moment ça change, et ils ont dit clairement qu'ils ont parlé pendant 10 minutes pour choisir les sortants. Donc tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et... Euh, et je trouvais justement que le but de Chauchalien avait un peu révélé l'équipe des Girondins moi, à ce moment-là, donc je, je les aurais bien laissés, les joueurs en fait, du coup qui étaient là, parce que le but, on voyait que les Girondins recommençaient à prendre le ballon, à se dire à un moment donné, oula, on est en train un petit peu de déconner, il faut qu'on reprenne un peu la main sur le match, et c'est à ce moment-là qu'il fait le coaching aussi. Donc euh, je ne sais pas si le timing et les ch le choix de joueurs étaient bons à ce moment-là, les erreurs ça arrive, voilà, mais je ne pense pas que le rouge l'ait perturbé. Euh, plus que ça, mais forcément, ça met toujours un petit peu à défaut les plans d'un coach. Euh, le Havre, euh, le, euh, lundi, euh, mmh. je pense pas que. Je pense pas que. Voilà, qu a été était content du rouge qu'a subi Cornette et je pense que ça revient Il a bien géré, je, trouvais, je crois il Il a a, lui, a, lui a plutôt bien géré pour ouais. le coup, mais voilà. Bienvenue à Mohamed, Damien, Benoît, euh, Laurent, Debrive, Bertrand, qui est sociaux et un coucou à Ferny du Nord. Euh, qui doit euh, aussi peut-être euh, nous regarder. Euh, ce que j'ai cité tout le monde Charla Maurice qui est un habitué, Alain Lafont aussi, euh, que je salue, et Victor Dos Santos qui est là à toutes les émissions. Messieurs, vous en avez parlé Au moins deux. Euh, vous avez été au moins deux à en avoir parlé. C'est Junior Manga. C'est quand même son deuxième match au milieu de terrain. On ne l'attendait pas du tout là. Euh, Gino a reconnu son bon match. Euh, très intéressant. Euh, il a dit Gino que c'était une surprise, mais pas que ça. Parce qu'il avait déjà montré beaucoup de, de possibilités. David a confirmé. Euh, je t'entends d'abord Joe là-dessus parce que tu en as pas mm. parlé. Euh, Manga, est-ce qu'il faut continuer à, au milieu du terrain J'ai envie de te dire vu ce qu'il a fait sur deux matchs, oui. Il euh, y a des choses que je n'avais pas vues depuis le début de saison au milieu, notamment euh, il a tendance à bien écarter le jeu. Euh, dès qu'il a le ballon, tu vois qu'il va chercher un côté. Donc, ça, c'est un bon réflexe déjà pour un milieu, alors que c'est pas un milieu. Ça, déjà, c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il joue sur une de touches, donc ça accélère le jeu. Ce n'est pas comme les autres qui font 3, 4, 5 touches avant de, avant, de, avant de donner un ballon. À un moment donné, je revois une action en premier mi-temps où, euh, en fait, là, le ballon arrive de la droite, il fait un contrôle, passe à gauche, bim, direct. C'est bête, hein Mais au moins, le jeu, après, ça permet de créer une situation parce que tu sais qu'à gauche, ben, comme le bloc ne s'est pas encore décalé sous chalien, mais ça permet au joueur de centrer. Et, euh, et du coup, ça peut créer une situation rien que par ça. Donc, il y a des, des choses basiques que, que lui a, que les autres milieux n'ont pas. Donc, euh, concrètement, par rapport à ça, j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de dire oui. Et même il y a une action, je crois que c'est à la douzième minute, il fait une passe, euh, il, il fait un contrôle, une passe directement en profondeur sur Baco qui fait un appel à profondeur. Il est hors jeu de peut-être un mètre. Il fait passe. Ouais, ça, mmh. ça se joue pas grand chose. Mais ça non plus, j'avais pas vu un milieu de terrain le faire. Un milieu qui fait directement une passe sur, un, sur un attaquant, sur un appel en profondeur, je n'avais pas beaucoup vu depuis le début de la saison. Et lui, ça, il l'a fait aussi. Donc, je, je l'ai vu très intéressant avec ballon. Euh, attention sur le repli défensif où tu sens que par moment, il lâche un peu le marquage sur le premier but contre le et sur le but socialien. Malheureusement, lui n'est pas présent en ce moment-là. Donc, c'est pour ça il faut qu'il fasse attention. Il y a encore du déchet. On a vu des passes qui sont parties en touche. Hein. Ça, après, malheureusement, voilà. Mais. Il y a des choses que je vois chez lui que je ne vois pas chez l'autre milieu. Et rien que pour ça, ben, j'ai envie de le revoir. Voilà. D'accord. Donc, euh, place de titulaire, euh, David. Et après, ah, Gino. Bon, je vais, Moi, je vais, je, vais, je vais te résumer euh, très rapidement mon point de vue. C'est notre mmh. meilleur défenseur, c'est notre meilleur milieu de terrain. Voilà. Et, ah ouais, carrément. Non, au niveau de la qualité, pour moi. <laughs> c'est l'un des meilleur meilleurs joueurs. Ouais. C'est non seulement notre meilleur milieu de terrain, mais également le meilleur défenseur. Euh, Peut-être pas au niveau des performances, parce que Barbet était très, très, très régulier, Gregerson est excellent, mais je pense sincèrement que Manga, c'est notre meilleur défenseur, meilleur milieu de terrain. Et euh, meilleur milieu de terrain, c'est aussi parce que euh, le, la concurrence est relativement faible, même si j'aime bien le début de saison de la Coupe qui a été beaucoup, mm. trop longtemps et trop durement euh, critiqué, à mon sens. Mm. Je pense qu'il a un apport invisible qui est, qui est, trop, trop, qui est injustement euh, oublié. Mais, euh, mais si, vraiment, j'ai discuté aujourd'hui des joueurs euh, méconnus euh, qui pourraient, euh, du grand public, hein, mais qui, mmh. qui pourraient exploser en 2023. Pour moi, euh, en tant que suiveur des, des, des Girondins de Bordeaux, qui, qui a vu jouer Junior Manga 15 fois, je ne serais pas du tout, du tout, du tout étonné que ce soit toute proportion gardier, le, 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 le nouveau joueur de, 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 de très haut niveau qui sort du centre de formation des Girondins. Très franchement, euh, il a absolument tout, euh, peut-être pas le jeu aérien encore, mais il a absolument tout euh, de ce qu'on attend d'un défenseur et d'un milieu moderne. Il a, il, a, il, a une, il a une superbe relance, il a une capacité de casser les lignes, il, il, il gère très bien la profondeur, euh, au duel, il, 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 il se place très bien, euh, moi, les automatismes et les réflexes qu'il a, la façon qu'il a de s'orienter au milieu de terrain mmh. par rapport à des coéquipiers mmh. mmh, qui, 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 de, qui jouent depuis 10 ans, c'est complètement bluffant. Moi, c'est vraiment là-dessus, au stade, au Havre, où je l'attendais. Je me suis dit, est-ce qu'il va bien s'orienter Est-ce qu'il euh, va pouvoir se mettre dans le sens du, du jeu Est-ce qu'il va, est qu va pouvoir protéger quand, tu, quand ils sentent qu il sent qu'il est pressé. Là, ça va vite vers l'avant, quoi. Dès non, le mais... corps, il, il va vite. Non, mais... Il non, a mais des, beaucoup de travail. Voilà. Donc, euh, donc vers vers Écoute, écoute. moi, je ne vais pas en faire des caisses, mais euh, mmh. voilà, mon, mon avis est résumé en, en une phrase. Bon, mais ça fait déjà deux, donc euh, Gino. <laughs> que dire Pff, en, Moi, j'en parle depuis pas mal de temps aussi. <laughs> Notamment, j'avais vu sur les premiers matchs en défense centrale où il m'avait littéralement euh, subjugué par son calme, mmh. sa sérénité et l'apport technique qu'il avait par rapport aux autres. Donc après, il a été pris dans ce système à trois défenseurs centraux et je trouve que Guillaume ne l'a pas mal utilisé puisqu'il l'a fait souffler quand Barbet est arrivé, logiquement aussi par rapport à l'expérience de Barbet, mais il ne l'a pas laissé totalement de côté. Il l'a refait rentrer notamment ces derniers mois. Et le mettre maintenant à ce poste de milieu de terrain où c'est quand même totalement inattendu. Euh, pour un jeune de cet âge-là qui confirme sur ce poste, le monter plus haut parce que tu as des lacunes et des problématiques, et que lui arrive à faire ça, c'est quand même euh, sacrément, pour moi, euh, bluffant, je vais le redire, de cette manière-là. Maintenant, les qualités du gain ont commencé quand même à les entrevoir. Et je suis très content. Qu'on ne s'en passe pas, parce qu'il ne faut surtout pas s'en passer, je trouve, dans, comme nous, les Girondins de Bordeaux en Ligue 2, avec ce genre de profil et de potentiel. Et j'espère, franchement, qu'on va lui donner du temps pour progresser. Mmh. J'ai une question à, à vous poser, je rebondis dessus. Ça veut dire qu'on a un milieu supplémentaire en plus, aujourd'hui, dans, mmh. le, dans le groupe, dans l'effectif. Euh, dans ce cas-là, il y a trop de joueurs au milieu. Donc est-ce qu'il ne faut pas un ou deux départs euh, au milieu pour pouvoir accueillir euh, ben, un milieu un peu plus technique d'un autre profil Qu'est-ce que vous en pensez Parce que là, vous êtes trois, tous les trois, vous voulez le revoir à ce poste. Ça veut dire mmh. que là, tu lui associes soit Ignatenko, soit, euh, soit Lacou. Mais mmh. tu ne peux pas mettre en Sergio et ou, ou tu ne peux pas soit mettre Ignatenko Lacou. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour Sissoko. Euh, ça fait quand même mmh. trois joueurs sur le banc. Euh, comment on fait, Gino Non, non, mais je voulais dire David le disait très bien, ça en dit beaucoup aussi sur les autres. Et je pense que quand on parle de Normanga, il faut aussi parler des autres joueurs à côté de lui, et notamment Ngo, qui, euh, quand même, sur le match, euh, est un danger public pour l'équipe. Moi, je veux dire, les dix premières mmh. minutes de jeu, a il peut coûter deux buts, à par exemple. Et en enfin, fait, ah, il fait une photo catastrophique. Voilà. Il y a les deux, deux parce qu'il fait ouais. aussi en, en plus de ça une autre faute euh, ouais. qui va redonner encore un coup franc euh, très dangereux à Sochaux. Il va le refaire en fin de match. Si Westbeck est dans un bon moment techniquement, on peut vraiment être handicapé par tout ça. Et je trouve qu'il a des difficultés et des lacunes techniques qui sont quand même assez très grandes, pour, même pour la Ligue 2. Donc, euh, oui, euh, Nico, je pense que tu as raison, il faut revoir maintenant. La profondeur du milieu de terrain, elle n'est pas hors norme sur le nombre de joueurs qu'on a, hein, moi je trouve. Hein. Mmh. C'est plus la capacité technique et la qualité qui nous manque. Mais la en elle-même et le nombre de milieu de terrain, moi, il ne me, il me choque pas. Hein. Mmh. David, et après Joe mmh. Sur le nombre, oui. Mais Sur le vraiment... nombre, est-ce qu'il faut recruter Est-ce qu'il faut emprunter Est-ce qu'il faut parce que là il y a trop de joueurs as trop... Non, non, Alors, recruter. Moi, je suis de toute façon. Enfin, J'ai pas, pas changé de, d'école. De, ouais. de, 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 hein. Moi, je pars du principe que euh, un milieu technique qui t'apporte justement, allez, un, 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 profil à la Westbeck, ce sera pas Westbeck, mais un profil à la Westbeck okay. comme Sochaux est essentiel. Voilà. Quelqu'un qui guide le tempo, qui peut, qui peut jouer entre les lignes, euh, quelqu'un qui peut accélérer, quelqu'un qui, qui vient chercher le ballon, qui vient, qui vient chercher, chercher le ballon, qui ressort sous pression, parce qu'il n'y a, a que Junior Manga qui le fait, pour moi c'est essentiel, quel que soit le, nom, le, le, le nombre de, de, de milieux de terrain. Parce qu'on est tellement pauvre que je pense que le non. vestiaire acceptera, de quoi qu'il arrive, une, une injection de qualité. Après, Il faut peut-être le... euh, en prêter Non, on sur le non mais après, ah, on ne entre... va, va pas oui. se cacher, on en, on, on en parlera pendant dans, durant le mercato. Depuis, c je pense que dire, un dire, peu oui. comme Rocru, ce ne serait pas délirant qu'il aille en national pendant, pendant six mois, parce oui. que c'est vrai qu'il a fait des rentrées pleines d'envie, très franchement, dans un double pivot. Je n'ai pas vraiment envie de le voir dans une opération, une opération montée, en fait, euh, en Ligue 1 et euh, on va pas se le cacher, on sait que le club cherche à sortir Franck Sergio euh, enfin, quoi qu'on en dise, on peut le choyer, on peut lui dire qu'il est important, euh, Gérard Lopez peut euh, cap, cap était bon en interview Gérard Lopez d'ailleurs hein, que j'ai trouvé assez cajoleur, euh, mais il a beau nous dire qu'il comptait sur lui, euh, si tu enfin voilà. Donc euh, si tu veux vendre à, à contrario si tu veux vendre ton chien, tu vas pas dire qu'il a la rage. Donc euh, donc si tu veux euh, non, Je pense, je pense, que, je pense clairement qu'ils essaient de le sortir. Je pense qu'il a un salaire qui est, euh, qui est inadéquat par rapport aux contraintes financières donc, du club. Et donc, depuis, c'est Franck Sergio, peut-être de joueurs euh, qui ouais, pourraient euh, voir ouais. euh, dans il un y y a autre a ten... club pour il libérer a... de la place au milieu. Il y a Tenko, je pense que de toute façon, le, 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 le coach a l'air de le tenir en, en haute estime. Et, euh, et, et, la coup, et la coupe, pour moi, il a un profil qui est, qui est, qui est, qui est essentiel. Donc. Euh... Joe et après Gino qui voulaient réagir et ensuite on avance sur le programme. Après, euh, pour moi au milieu, je toujours dis quand même en termes de quantité, je trouve qu'on est un peu limité, donc ça ne me dérange pas qu'il y ait un joueur en plus, euh, surtout quand tu vois la qualité du joueur, euh, quand tu vois ce qu'il apporte quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison à ce poste-là. Donc euh, ce joueur-là n'est vraiment pas gênant sur ce, sur ce poste-là, même en termes de quantité. Moi il y a un joueur sur lequel je ne compte plus du tout, c'est Franck Sergio. Euh, je pense que maintenant on a vu que ça ne pourra jamais matcher de toute façon, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de s'appuyer sur un joueur comme ça. Si Soko actuellement est blessé, on verra dans quel état il va revenir aussi. Et je pense y a Tenko, ça serait bien aussi un petit peu qu'il se repose et qu'il regarde un petit peu ses copains jouer pour peut-être voir un petit peu ce qu'il peut améliorer et voir d'autres profils au milieu pour qu'il puisse un petit peu euh, apprendre certains réflexes et, et, et même, à, et même à connaître certains réflexes, effectivement, ce poste-là qui est notamment avec Ballon parce que. Et là, clairement, comme le dit Juno, il y a des moments où il nous met vraiment, vraiment en danger. Après, ce qui me dérange un petit peu dans tout ça, c'est que tu déshabilles Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire que tu vas chercher un joueur en défense centrale pour le mettre au milieu. Ce qui fait que en défense centrale, si tu as un Barbet ou un Grégartien ou les deux qui sont absents, ben, tu vas devoir refaire Descendre Manga qui va peut-être devenir un plus essentiel au milieu. C'est moi, c'est plus ça un petit peu qui me dérange. donc, euh, donc Est-ce qu'il y aura moyen de bricoler après, derrière dans ce, dans ce cadre-là, on verra parce que j'estime que la montée de Wanga, à la base, euh, au milieu, c'est un bricolage au départ, mais qui, avec les suspensions qu'il y avait, les blessés, etc. au Havre, qui, effectivement, par contre, est plutôt intéressant à l'arrivée, mais il euh, ne va pas falloir non plus bricoler non plus à tous les niveaux, et à un moment donné aussi. Donc, euh, euh, je reste toujours persuadé que cette équipe-là euh, manque quand même euh, un, voire deux joueurs supplémentaires pour vraiment avoir un, un effectif quantitativement et qualitativement apte à pouvoir jouer pleinement ou à pouvoir avoir vraiment... La, la pleine chance de pouvoir, de pouvoir la jouer montée. la montée. Euh, voilà. Moi, j'ai peur que quand tu auras des blessés, des suspendus, surtout qu'on va enchaîner beaucoup de matchs sur cette deuxième partie de saison, j'ai peur que blessés, suspendus, ça nous coûte là, euh, si on reste avec cet effectif-là. Voilà. On va enchaîner les matchs on regardera le, le calendrier après. Gino, tu voulais réagir tu as la parole. Non, juste en dernier, c'était pour euh, franz Sergio. Moi, ça sera intéressant de voir comment ça va évoluer la situation parce que dans. dans... Dans le, le regard que j'ai eu de, de, de ce match de vendredi, et je ne sais pas, le sentiment, euh, c'est que c'est quand même un joueur qui est d'expérience et qui avait un certain statut au début de l'année, et là, qui va le perdre même sportivement, et qui voit un joueur de défense centrale prendre un, un poste qui est le sien, par exemple. Donc, qu'est-ce ah, que juste. ça peut faire dans sa tête euh, C'est là où il faut qu'on se pose les bonnes questions, lui comme nous, et voir quelle est la meilleure solution pour tout le monde. Donc si ça ne se règle pas ou ça ne s'améliore pas sportivement, je pense qu'il euh, voilà, faudra être attentif à ça. Bon, mais messieurs, c'est super intéressant. Thomas, tu veux dire quelque chose par rapport au, au message que tu vois sur le chat Non, pas particulièrement, parce qu'en soi, ça beaucoup de. Ça, ça félicite quand même les prestations de bon gars en soi. Après, pour les départs, bon, on est, je ne suis pas surpris euh, des, <laughs> des, des gens ciblés, hein, François-Jouy, mm -hmm. Pas vraiment de surprise, voilà. Ok, surprise. bon, très bien. Sur le match, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose La réaction, quand même, d'orgueil de l'équipe. Ils se battent, quand même, ces joueurs, euh, depuis le début de la saison, même si, quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous l'avez souligné, ils ont quand même réagi. Euh, le talk la semaine dernière, euh, on était quand même très énervé. Gino, tu étais mm. très énervé. Euh, euh, mm. Les autres chroniqueurs euh, ont se posé des questions. Euh, ils ont quand même réagi. Ça montre quand même qu'il y a du caractère. Mais est-ce que ça peut marcher, là, aller au mental toute la saison sur les, tous les matchs Qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi pas Moi, j'avais ouais. te dire pourquoi pas. Euh, très franchement, tu vois, enfin, tu vois que la Ligue 2, de toute façon, euh, ça se joue quand même très très au mental. On le voit, de toute façon, les équipes sont pas impressionnantes, à part peut-être Le Havre, effectivement, qui, je trouve, a une maîtrise, a une maîtrise actuellement qui est, qui est, qui est vraiment, vraiment au-dessus du lot. Mais. Comme on l'a dit, le Havre n'a pas encore connu de coup de mou, donc on verra aussi comment ça va se passer. Donc, euh, si le mental n'est pas défaillant, on le voit, il y a quand même beaucoup de déchets dans chaque équipe. Euh, la technique n'est pas prépondérante, euh, c'est plus la tactique et l'aspect mental pour moi qui, qui prévoit actuellement sur cette Ligue 2. Donc, euh, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et à ce niveau-là, Bordeaux a prouvé quand même que mentalement, il y avait quand même une, une force qui pouvait se dégager. Maintenant, il faut que cette force elle soit collective, comme on l'a vu sur certains moments, notamment à la fin du match contre, contre Sochaux, où j'ai trouvé l'équipe solide mentalement et les joueurs qui faisaient des efforts les uns pour les autres. Et c'est ce que j'ai dit, ce que je suis unis dans mes enseignements c'est que je ne l'avais pas beaucoup vu depuis le début de la saison, et là, je l'ai vu, et ça m'a énormément plu. Voilà. David, tu en penses quoi Ça peut tenir comme ça en mental tous les matchs Parce que euh, ce que j'ai derrière, en posant cette question, euh, inévitablement, je me dis euh, ils vont s'user à force. Mmh. Non, 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 non. Moi, je, enfin, ils, après, je pense qu'ils ils, 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 ils utilisent vraiment aussi. Euh, le, 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 ils sont encore. Ils seront un peu toute la saison, en fait, sur, euh, sur euh, le, la, la spirale et l'euphorie, en fait, de, de, de la survie du club. Du retour de, de Glorieux Anciens, de Barbet, de Nsimba. Et euh, peut-être que c'est pas ça qui va faire la différence. Mais en tout cas j'ai pas vraiment en fait de, euh, de doute sur l'implication du groupe. Je pense que ce groupe est très sain et je pense d'ailleurs que c'est quasiment sa plus grosse qualité et, euh, et, et, et que ça nous permettra en fait de compenser certaines lacunes. Et comme je te disais euh, et je vous disais en, en introduction, je pense que ça peut suffire en fait euh, même sur la durée d'une saison, je pense que ça peut suffire. Dans cette ligue 2 actuelle, dans la ligue 2 en général, je ne sais pas dans cette Ligue 2 actuelle, pour euh, pour monter directement, c'est pas glorieux, c'est pas forcément en fait ce qu'on ce qu'on attend en termes de, en termes de, en termes de jeu, en termes de d'entertainment, mais ça peut mais ça peut suffire. Salut à Carole qui est là, salut à Seb aussi qui est là et qui est un grand fan de Gino. Je t'ai fait 600 messages, message aujourd'hui. Salut Gino. Seb qui est qui est Seb. social. Gino l'homme du peuple. <laughs> pas que. Oui. Donc, oui salut bien. Seb qui avait fait de très Tiens, bonnes, bonnes analyses dans le débrief Seb Gino sur la réaction et après on change de thème on passe au bilan et les souhaits pour 2023 sur la ouais, réaction et un sentiment que, dont on avait parlé aussi au début de saison et qui n'est pas anodin aussi à la réaction de l'équipe le bilan à domicile on est à la fin des matchs allés 9 matchs 6 victoires 2 nuls 1 une... je trouve qu'on a le contexte du stade et du public est plus positif, l'an dernier, c'était pas évident euh, de, de faire moins bien, mais je trouve qu'il y a eu une, une nouvelle dynamique qui fait que on se sont plutôt bonne et bien, et on en aura besoin de faire le maximum de points à domicile. Donc tu soulignes le public, c'est un peu coupé, je, je reformule, tu soulignes l'apport du public et la dynamique positive et l'ambiance et l'atmosphère. Même si le COP était replacé le en virage on en entendait bilan, là, énormément d'ambiance. Ouais. 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 Et c'est vrai qu'à domicile, euh, on a perdu ou pas cette saison Là, je suis en. Oui, on a perdu contre Gengar, Gengar, Gengar. Le... Ah, Gengar. Ah oui, là seul... j'étais là en plus. Le, le seul match que t'as vu, Nico, donc. Ce <laughs> euh, que j'ai vu au stade. J'en ai pas vu un deuxième Ah non. Les autres, c'est les filles. Si j'en vois pas Alors, euh, des matchs, bien sûr. Oui. <laughs> je... Alors, des matchs. Allez, messieurs, euh, Bordeaux Sochaux, on a déjà fait une heure dessus. Euh, ouais. On va euh, passer au bilan 2022, votre bilan 2022. Est-ce que je peux juste dire un truc, Nico, juste avant oui. euh, d'enchaîner, oui, c'est par rapport à notre ami Logan de Je voulais quand même ah, oui. faire, euh, faire une petite parenthèse par rapport à lui. Euh, parce que pour moi c'est le jeune qui a le plus de potentiel dans cet effectif là en tout cas dans la formation bordelaise euh, par rapport à sa génération et je le sens pas encore à l'aise et à sa place dans le contexte du foot professionnel je le vois plutôt, plutôt introverti euh, je le vois pas forcément communiquer avec ses coéquipiers et même avec le public Il on voit que son visage est quand même assez fermé euh, et on, on sent qu'il y a beaucoup d'appréhension par moment je pense que c'est un joueur qui va falloir travailler et coacher mentalement plus qu'autre chose parce que la technique pour moi il n'y a, a aucun problème par rapport à ça, et aucun doute par rapport à ça mais tu sens que c'est entre guillemets euh, un jeune qui n'a pas encore confiance et qui n'a pas encore conscience entre guillemets de son euh, je pense de son potentiel. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop le mettre en avant, pas trop attendre grand chose euh, là pour l'instant à l'heure actuelle, il faut pas lui dire tu vas être dépositaire du jeu etc et tout mais laisse dans un un peu plus collectif en lui faisant comprendre que tout voilà, fait que tout autant que les autres, il a, ici, il a, il a ses propres missions à gérer, qu'il faut lui laisser sa liberté d'expression avec le ballon, parce que c'est son seul moyen d'expression à l'heure actuelle, et que s'il sent un truc, il faut, il faut, je pense, le laisser faire sans le brider et sans déséquilibrer, bien sûr, l'équipe, notamment sur le repli défensif, mais lui, il le fait très bien. Donc, j'espère que le jour où ça va exploser, ça sera dans le bon sens et pas dans le mauvais. Je vois un petit peu, mentalement, un profil comme à la Goucuf, enfin, qu'il va falloir mettre vraiment à l'aise, psychologiquement et mentalement, pour que ce joueur puisse vraiment exploser dans le bon sens, J'espère que ça marchera pour lui parce que moi, c'est un joueur que j'estime beaucoup et que, et que j'espère je, voir un jour à un très bon niveau parce que je pense qu'il a le potentiel. Son carton rouge est plus maladroit qu'autre chose. Je, je, je pensais que la faute était plus sévère quand j'ai vu, parce que j'étais au stade. Je pensais vraiment qu'il avait découpé le joueur, mais quand je vois le ralenti, tu vois que c'est les deux qui mettent le pied et lui passe un peu à côté. Et malheureusement, il, effectivement, il y a quand même un coup sur la, sur, sur la jambe du joueur. Mais voilà, euh, je pense qu'il qu va falloir laisser du temps à ce joueur-là. Euh, on aimerait bien le voir un peu plus au milieu, mmh. notamment effectivement en 10, mais je pense que là à l'heure actuelle c'est beaucoup trop tôt et je comprends pourquoi Guillaume ne le, le fait pas plus jouer que ça, même s'il y avait des doutes. Là, pour les choix de Guillaume, je le comprends un peu plus euh, à niveau de ce jour-là, mais j'espère mais... qu'il va pouvoir exploser à un moment donné. Voilà. Donc il sera suspendu pour. Euh... C'est sûr, dommage pour lui, c'est pas qu'ils prennent plus de deux matchs quand même. Après Bordeaux, le mardi va à Caen et ensuite euh, on reçoit Amiens, donc euh, il y a beaucoup de matchs. Il aura mmh. du temps de jeu de toute façon. Euh, vous voulez euh, intervenir sur de laurier chaubé par rapport à ce qu'a dit Joe oui, Il a raison, ok. Bon, ben voilà. Je crois que c'est quelqu'un euh, qui a un tempérament plutôt réservé hein. donc, quand tu as parlé de. Bon, ouais mais c'est ça mais après j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où ça peut péter en fait mentalement j'ai l'impression qu'il ah, prend beaucoup sur lui pense, en fait hein. du coup et j'ai l'impression qu'à un moment donné ça peut exploser donc tu tu sens, sens... qu'il n'est pas relâché c'est ça oui tout à fait mais tu sens qu'il mmh. prend beaucoup sur lui pour beaucoup de choses en fait du coup et je le sens pas trop à l'aise euh, par moment donc euh, que ce soit dans sa communication ou même dans, ses, dans sa façon de jouer dans son dans son jeu de corps etc et tout donc je sens que c'est pas encore libéré donc euh, c'est pour ça mais et, euh, c'est un joueur qui a, qui a vraiment un gros, gros potentiel et qui techniquement peut être euh, un, un joueur qui peut tout casser s'il si veut sur un terrain, je pense. Voilà. Salut à Johan du Château Enclos au Mazère, qui est là. On le salue. Allez, messieurs, le bilan... Je sais pas, j'entends du bruit. C'est ce qui, qui a les sirènes Je, je l'entends aussi, en fait. La télé. Ah oui, j'ai coupé le son de la télé maintenant. Y a plus de... Et j'ai pas de sirène non, chez C'est bizarre. <laughs> bon, <c 'est> bizarre. <laughs> Non, on l'entend très très peu, mais comme on est au casque, c'est vrai que un mmh. petit bruit parasite, on se demande ce que c'est euh, et on veut toujours le meilleur son pour vous. Vous savez, vous qui nous regardez, allez, messieurs, le bilan euh, 2022. Si vous pouvez essayer d'être synthétique, de dire les, les mêmes choses en, est... <laughs> en étant synthétique, 20h33, après on fera les souhaits, ensuite on fera le mercato, les rumeurs et ensuite bordeaux -Rennes. Donc ça fait pas mal de choses. Euh... Vous avez peut-être lu sur Web Girondin le bilan de Monsieur David Guzman Donc là, David, tu, tu peux le donner maintenant si tu veux pour le lancer. Euh, ouais. et, euh... Non mais moi, je, moi, j'ai juste me focaliser en fait sur 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 l'aspect sportif puisque bon l'aspect financier en fait ce sera certainement dans mes dans mes souhaits 2023. Mais non mais c'est qu'on est. Qu est à... J'ai envie de rectifier quelque chose en fait que je lis souvent. Je lis souvent Bordeaux mérite d'être en Ligue 1. Notre place, c'est en Ligue 1, comme si on avait un droit divin, de, 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 comme dans l'NBA, en fait, où les clubs en fait, ne disparaissent jamais, à moins que les franchises déménagent, et euh, où, où, où un grand, une grande franchise ne serait jamais reléguée, quoi qu'il arrive, ou ne disparaîtrait jamais. C'est-à-dire que ça, enfin, est, on, on, a, on est à notre place par rapport à la dégringolade sportive que euh, nous avons connue depuis l'après-titre par rapport au manque de qualité euh, injecté dans le sportif depuis des années. D'ailleurs, euh, ça se voit à la qualité des entraîneurs qui sont passés chez nous. Il n'y en a quasiment pas un qui a retrouvé un poste à la mesure du poste qu'il avait au Girondin de Bordeaux. Tu peux décliner ça à l'infini pour l'encadrement des directeurs sportifs, euh, des présidents délégués, tu peux décliner ça pour des formateurs, pour absolument tout. On ne s'est jamais fait débaucher quelqu'un. Il n'y a personne. On débauche les gens à Nice, on débauche les gens à Lens, on débauche les gens à Reims, on débauche les gens à Lorient. À Bordeaux, on ne débauche jamais les gens. Donc ça veut bien dire que ça fait quand même plus d'une décennie que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Puisque dans un secteur économique où, euh, où, 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 où les gens changent de casaque comme de chemise, ah, bah, chez nous, il n'y a pas trop de mouvement. Au contraire, on a été obligé de faire un plan social pour les écarter suite à la descente. Et donc, cette descente, très franchement, celui qui te dit qu'il ne qu voyait pas la descente sportive venir, les problèmes financiers, je peux comprendre, parce que c'est une problématique qui est un peu, un peu compliquée. Mais la, la, la glissade sportive, quand on reprend l'effectif de la dernière journée, on va gagner 4-0 à Metz, où on se qualifie en Coupe d'Europe sous Poyer, qui a d'ailleurs eu un peu de mal à retrouver un poste aussi, et que tu regardes l'effectif de la dernière journée l'année dernière, waouh! Faut te, faut te mouiller la nuque, hein. tu vas, tu vas, tu vas friser les Donc très rapidement, on a quand même eu une, 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 une dégringolade sportive. Donc en fait, cette descente, on est actuellement. Et c'est moi, je le mérite pas. Vous, vous ne le méritez pas. Les sociaux ne le méritent pas. Mais le club dans son ensemble mérite complètement la place à laquelle où il est. Donc 2022 pour, ah, je ne vais pas euh, euh, insister dessus. C'était malheureusement l'année de la vérité. Ok, dans ton bilan, vous irez lire, hein. je remets le lien, euh, le lien vers l'article dans le chat euh, sur le bilan hein, beaucoup plus, euh, plus détaillé que tu fais. Joe, ton bilan de cette année 2022, qu'est-ce que tu en retiens Je t'écoute. Déjà, sans doute la pire année que j'ai connue en tant que supporter de Girona de Bordeaux. Ouais, je pense que pour beaucoup, malheureusement, c'était le cas. Déjà, déjà sportivement, une déchéance totale avec une équipe mal construite, sans âme, sans confiance, en incapacité de réagir et complètement léthargique par rapport à la situation qu'on a dû affronter lors de la première partie d'année. Euh, surtout, après surtout, moi ce qui m'a vraiment gêné, c'est tout ce qu'il y a eu autour, euh, qui fait que pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte de l'image que dégageait euh, ce club avec tout le contexte malsain qu'il y avait à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai vu des choses qui m'ont mis mais vraiment hors de moi. Euh, que je ne pourrai jamais digérer ni oublier parce que j'ai la sensation qu'on s'est foutu un petit peu de nous et qu'il y ait un total irrespect envers les vrais supporters, comme beaucoup aiment me, me, me le dire. Euh, pour quelques exemples, notamment l'histoire de Winamax après le match de Marseille, où euh, parce qu'on perd, du coup, il ben, faut trouver un coupable. Donc, allez hop, Winamax, euh, voilà, enfin, c'était après Marseille ça, vous Ouais, c'était le, ouais. le 14 janvier. C un... voilà, donc, c euh... Ouais, c'est ça. Voilà, donc euh, j'ai vérifié, hein, du coup, euh, mm -hmm. c'est donc, donc pour ça, mais bon, bref, voilà, en, en mode okay. grosse, mais il fallait, il, fallait, voilà, il fallait trouver un coupable. Euh, la gestion du mercato d'hiver avec l'éviction de certains joueurs, d'une manière qui a été assez déplorable, humainement parlant, peu importe les problématiques qu'il y avait avec ces joueurs-là, et l'arrivée en plus de joueurs inappropriés tels que tels que Marcello, et quand on t'annonce en plus qu'on doit jouer dans les dix premiers à ce moment-là, euh, ça, je pense ça comme du foutage de gueule, sincèrement. Bon, après, euh, quand il est arrivé, on jouait le maintien, non? Non, non, mais c'est ah que non, non, je ça me rappelle. Aireille, il fait, le fait une interview qui dit que justement on doit jouer avec l'effectif qu'on a maintenant on va pouvoir jouer dans les 10 premiers de la, du championnat, etc. Ouais. Euh, juste ça à la fin, fin du mercato derrière. Voilà. Euh, ça. Euh... Euh... Ce qui m'a le plus choqué, c'est la mi-temps du match contre Montpellier. Et l'attacation avec Antoine euh, Brunet-Costi, d'ailleurs, chez voilà J'ai ouais, bugué, moi, je n'entends plus. Mais... Non, euh, non, il bug, je n'entends plus. Iber, ah ouais, ouais. Je croyais que ça venait de moi. Et eh ben voilà, son bilan, il était. Euh... C'était rapide. C'était un bilan ou rapide. Euh, ouais, oui, un petit peu. T'as as complètement coupé là. C'est le réveil. Attends, je enfin, des à revenir. Je pense. Oui, vas-y, vas-y, on t'entend. Euh, bah. euh... Donc, je disais donc, du coup, le match oui, contre, oui. contre Montpellier, où ça, c'est quelque chose avait qui avait choqué vraiment... voilà, tout qui ce qui s'était passé. Ensuite, fait. tout l'été catastrophique, bien évidemment, avec, avec tout ce qui est le côté économique, et sans oublier la communication désastreuse et néfaste des influenceurs, des proches de la direction sur les réseaux sociaux. Bref, beaucoup de stress et de tristesse sur cette année 2022. Euh, maintenant, il y a quand même un point positif c'est la réaction de la communauté bordelaise durant effectivement notamment durant l'été malgré tout, euh, malgré tout ce qu'on a vécu, les fans les amoureux du Girona étaient quand même là, et ça a permis je pense de sauver, le... c'est une partie des choses qui a permis de sauver le club durant cet été, et surtout, même si c'est par défaut, le retour de la jeunesse euh, issue de la formation bordelaise, qui nous a permis enfin de retrouver un peu de, de plaisir, de couleur dans ce club, et à reparler foot tout simplement, ce qui était déjà déjà pour moi déjà une très bonne chose. Je pense à Lacou qui a été capitaine en début de saison, Poussin en mode patron mmh. alors que l'an passé, euh, je pensais que ce joueur n'était plus fait pour ce club. Je pense à Mwanga, Bakwa, Logan, Bokele, de Depucé, à tous ces noms qui font plaisir rien qu'à les, qu les entendre, à les citer. Alors eux, je leur dis merci et bravo. Euh, à Nsimba et Barbé, euh, en tant que des joueurs qui sont revenus en tant qu'amoureux du club dans un club qui était vraiment en galère, et ainsi qu'aux courageux et critiqués quand même David Guillon qui est quand même resté malgré le marasme et qui a réussi à obtenir de bons résultats depuis l'été 2022 avec son nouveau staff donc grâce à eux le scapulaire retrouve comme j'ai dit des couleurs Mais il y a quand même une question qui me hante euh, depuis maintenant un an c'est quel est l'avenir de ce club parce qu'après toutes les erreurs et tout ce qu'on a vécu j'ai jamais vu les journées de Bordeaux aussi fragiles malgré tout Voilà. Merci Joe, bonne question Monsieur Gino Forte, on t'écoute, ton bilan 2022 Gino, et je lis juste la phrase de Drive qui dit bilan 2022, Drive infidèle des talks depuis des années, je te salue Drive, qui nous dit euh, la fin 2022 pour lui c'est la fin de 42 ans d'invincibilité, la fin de 30 ans de présence consécutive en Ligue 1, l'extra sportif et surtout voir notre club s'entre déchirer. Voilà, ça, ça coïncide un petit peu avec ce que tu disais, non, euh, Joe. C'est juste. Bien sûr. Gino. Oui, moi, moi, je le coupe en, en deux parties distinctes, ce bilan. C'est l'horreur et pourquoi pas le début d'une sens. Ouais, parce que l'horreur, c'est. Voilà, on en a un petit peu parlé, c'est les, les, les six mois, les six premiers mois de l'année avec cette fin inéluctable, parce que d'année en année, on, on sentait que ça. Ça pointait le bout de son nez, la descente en Ligue 2. Et ça a failli aller même au-delà. Euh, je pense qu'on a, on a été à deux doigts de la disparition du club dans le monde professionnel. On est passé vraiment tout près. On a vécu des matchs euh, voilà, horribles à vivre euh, dans le stade ou la télévision. Ça a été rude. Euh, ça, ça faisait mal au cœur à voir, à vivre. Je trouve qu'on était dans un projet qui ne nous correspondait pas du tout alors il y a eu des antécédents qui faisaient que le club en est un petit peu là mais on avait une direction qui pour moi du tout en phase avec ce qu'étaient les Girondins de Bordeaux et on a été voilà euh, si l'été euh, ne se passe pas comme ça se passe et au moins euh, l'actionnaire et le président a fait l'effort de réinjecter un petit peu d'argent on peut ne plus être un club professionnel donc ça a failli être dramatique et la deuxième partie d'année, c'est quand même pour moi le début d'une ère différente, imposée par certaines contraintes, ça c'est certain, mais où il y a eu l'émergence de la jeunesse en force, j'ai envie de dire, une jeunesse qui a montré, a montré ce qu'elle pouvait apporter au club et nous donner beaucoup d'émotions et créer quelque part une espèce d'osmose qui avait été perdue entre le public et son équipe, qui est très importante. Qui pour moi se vit encore à l'heure actuelle et qui fait qu'on peut avoir une espèce d'espoir dans un avenir sportif qui serait très différent de ce qu'on a connu et avec une direction qui aurait un point de vue et qui serait en capacité de reconnaître ses erreurs. Donc pour moi, j'ai vu deux aspects cette année. Voilà le absolue absolu qu qu'on a connu et je l'espère, le début d'un nouveau projet avec des valeurs vives qui existent et dont on doit préserver la confiance et avoir à l'esprit qu'un club de foot, ben, ça se joue à moyen long terme, pas, pas avec une ambition très vite de faire de l'argent, un système qui est vraiment diffus. Donc, je préfère garder dans le positif de cette dernière partie tout ce qui s'est passé. Eh bien, merci Gino. Je salue Vincent Girardot de, qui nous regarde et qui vous salue. Euh, salut tout le monde depuis la Colombie. Et, écoute. Salut à toi, Vincent. Euh, Thomas, tu veux euh, rajouter quelque chose euh, Si je peux dire à peu près le bilan. Moi ah, oui, oui, ton bilan. Ouais, Vas-y, on si t'écoute, Thomas. Ça, peu ça, peu ça peu nous intéresse. De... Hein, je te mets en, en plein fer. Euh, Tac. Je peux, je peux faire un petit on bilan. Bon, là, ça ne va pas changer des autres, hein, évidemment. Mais. Euh... Concrètement, de du, du janvier jusqu'à au moins l'été, au moins avant le début de la reprise de la Ligue 2, ça a été les abysses totales. Je n'avais jamais vécu ça. Limite, le médecin est venu me voir il a fait euh, Bon, Thomas, tu es face terminale de cancer. Hein. C'était la même chose. C'est J'avais le même état. Oh c'est pas possible. Non, mais c'est presque <laughs> ça. Mais, mais c'est presque ça il je... y avait rien qui valait. vous regardais un match, je prenais pas de plaisir. C'est il je... y avait que des problèmes extra sportifs ce que vous avez dit c'est tout partait en vrille en son limite ça se entre nous entre supporters sur Twitter, c'était n'importe quoi. Là au moins il y a un peu de ronais enfin roné un petit peu, c'est pas fait encore à 100% mais il y a un peu il y a de l'espoir et là ça fait un peu fait plaisir cette fin enfin, ce la deuxième partie de 2022. On espère que ça va continuer. Climat apaisé, ce que vous dites. Hein. Climat apaisé, euh, c'est un peu mmh. ce que tu voulais dire, Thomas. Euh, moi, mon bilan, je l'avais dit, c'était, moi, c'était ma pire année de de supporter. Je vais pas revenir sur toutes les raisons. Mmh. Hein. Vous pouvez aller le lire sur Web Girondin, hein, puisqu'il y a un article dessus. Mais euh, ce que je retiens moi de positif sur cette année, c'est vous sur cette Web TV et tous les moments qu'on a partagés entre sociaux, on s'est soutenus. C'est la chanson de secta, euh, c'est le clip euh, avec Gino, euh, c'est les débats enflammés sur le jeu, mais toujours dans le respect. Et pourtant, il y a eu des moments tendus. Hein. Je peux vous dire qu'avant les émissions, euh... mais <laughs> la parole n'a jamais dérapé, euh, très peu, je pense, pendant les émissions. On a essayé de qu'elle dira pas ou pas trop souvent, même si on n'est pas parfait bien sûr. Donc merci à vous euh, de nous avoir suivis et, et, et merci à, à tous les sociaux sur les euh, sur les rendez-vous que nous avons pu faire, notamment euh, lors des repas. Et ça c'est vrai, moi c'est mon gros point positif, c'est le, le point positif c'est ça. Après la Renaissance sur la fin d'année, oui, euh, mais que peut-on souhaiter maintenant? Euh, à nos Girondins. Et c'est pour ça qu'on bascule sur vos souhaits 2023. <laughs> Et oui, en direct. Oui, vos, souhaits 2022, 20, vos souhaits 2022 sur le titre hein, on est d'accord. Ah oui, mince. Ouais. Ah oui, alors, <laughs> alors là, y a... Non, vous avez mal lu. Vous avez mal lu. Non, non, regardez, je la raffiche. Waouh. Ah, bien, excuse-moi. C'est la phase non. terminale encore. Non, arrête avec ça. <rire> <rire> Allez. Euh... Vos souhaits 2023, messieurs. David, euh, c'est quoi tes souhaits T'avais un souhait à faire pour le club en 2023 Moi, j'ai envie de savoir où on va, tout simplement. C'est-à-dire que euh, hier, enfin, je ne vais pas du tout comparer ce qui, est, ce qui est incomparable, mais hier, en regardant en regardant le RC Lance, euh, j'étais un peu jaloux. Je me suis dit, il y a quand même. C'est-à-dire que c'est un club qui, était, qui a passé longtemps en Ligue 2, qui était en Ligue 2 il y a, il y a trois ans. Et qui s'est structuré autour d'un projet sportif. J'insiste en fait sur ce terme sportif, c'est-à-dire qu'ils ont fait confiance à l'entraîneur de leur de réserve qui était prêt, qui était quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément. Ils ont structuré un projet en recrutant, en faisant des recrutements ambitieux. Florent Guizolfi, j'en parlais, qui s'est fait débaucher, qui est maintenant est parti à Nice. Euh, qui, qui ont mis euh, Grégory Til, l'ancienne avancante de Boulogne. À, à, à la tête du recrutement, donc un autre, un autre recrutement ambitieux. Et ils ont bâti un projet sportif avec un actionnaire responsable qui a investi, mais ce n'est pas non plus un projet pharaonique. Et moi, ce que j'ai, on sait que Gérard Lopez a fait des mois qu'il recherche en fait des, des partenaires, ce qu'il appelle des partenaires financiers. On sait que Gérard Lopez n'a pas, pas vocation partout où il est passé avec le bailleur de fonds du club. Il veut en fait, garder une, 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 un pourcentage d'extension, mais il cherche un actionnaire majoritaire qui, lui, investirait les fonds. Lui se veut opérateur en fait, du club. Donc, moi, j'ai envie de savoir où, maintenant qu'il a réussi son coup de poker grâce à la DNCG, qu'il a sauvé le club, et on leur remercie, je tiens à le préciser, je ne pas du tout ici pour faire le procès de Gérard Lopez. Merci Monsieur Lopez, le club a été sauvé, il est toujours vivant. Maintenant qu'on a dépassé cette euphorie, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, que ou, quelle, est votre, quelle est la stratégie à, 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 à moyen terme? Quel est le projet sportif? Est-ce que c'est un projet autour, qui s'articule autour des jeunes? Parce que c'est vrai que l'arrivée des jeunes, c'était plus euh, une obligation quand on était dos au mur que le fruit d'une éventuelle vision. Euh, où en est la recherche de partenaires financiers Si on ne monte pas, on sait qu'on aura un trou de plusieurs dizaines de millions d'euros. Comment ce trou va être comblé euh, Et surtout, je m'interroge et j'aimerais savoir est-ce que le couple David Guillon et Admar Lopez ne va pas, là je parlais de plancher, ne va pas atteindre un certain plafond Et est-ce que ce couple est capable de nous emmener là où on veut que bord de soi, c'est-à-dire que dans un premier temps, être un club régulier de Ligue 1 et performant. Moi, très sincèrement, je me suis un peu retenu sur David Guillon, euh, dont pourtant je, je suis partisan du maintien, en lisant l'interview d'Edmar Lopez. Excellente dans Sud Ouest. Excellente question. Les réponses étaient un peu un peu plus discutables. <laughs> En regardant euh, ce que a toujours proposé, mine de rien, David Guillon, euh, mais, mais c'est un entraîneur très correct. Hein. Est-ce que c'est vraiment, en fait, ce couple qui peut, entraîneur et directeur sportif, qui peut nous faire passer un vrai palier sportif? Moi, j'en doute un peu. Donc voilà. Donc, Qu'est-ce que, que tu appelles euh, palier sportif J'aimerais bien avoir un entraîneur un peu plus. avec une identité de jeu, que le club s'articule justement autour de cette identité de jeu ou cette identité tout court. Euh, J'aimerais bien. Ah, je vais citer des noms, mais c'est vrai que quand je vois un Will Steel quand je vois euh, un Francaise, quand je vois ce que fait Lorient, et ben, je me dis qu'il n'y a aucune raison, absolument, aucune raison, je conseille, je conseille d'ailleurs les, 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 les conférences de presse de l'entraîneur de Lorient qui sont absolument fascinantes, il n'y a aucune raison que nous on ne soit pas ambitieux, pas forcément financièrement, pas forcément en fait en, 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 en dépensant des millions, mais qu'on ait un projet ambitieux pour te donner un exemple et pour conclure je lisais ce, ce, cet après-midi un article, je suis encore en vacances, hein, je précise que c'est pour ça que j'ai le temps de lire beaucoup d'articles. <laughs> <laughs> je lisais un article sur l'apport de Arsenal, qui est qui a un club d'une toute envergure, mais d'un entraîneur de coups de pied arrêtés, Nicolas Jovert. Sur 129 coups de pied arrêtés défendus, Arsenal n'a en pas, en pas, en pas encaissé un. Hein. Pourquoi nous, on ne serait pas un peu innovants, justement, en étoffant le staff en, en, en essayant de chercher justement ces leviers qui ne coûtent pas forcément cher, mais qui permettent d'être en, en avant par rapport à nos concurrents. En ouvrant notre, euh, notre cellule de recrutement, bah, peut-être pas à des recruteurs chevronnés, à des gens qui sont un peu portés sur la data, à des data analystes, à des gens qui sont révélés sur les réseaux sociaux. Je ne te parle pas du gars qui a 10 abonnés, mais il y a des gens qui font, des, qui font, qui font qui ont un très bon travail sur les réseaux sociaux avec, euh, avec des très bonnes analyses. Pourquoi nous on ne serait pas en fait, un peu pionnier en fait, euh, dans, dans la gestion du club tout en gardant nos valeurs. Et très franchement, euh, c'est un peu ce, là où j'attends en fait, moi euh, 2023, l'année d'une innovation positive. Tu vas faire bondir certains, je pense, après avoir dit. Ah mais il n'y a pas de souci, moi <laughs> c'est mon, euh, c'est T'as euh, parlé mon bien. Ça ouais. ah, c'est fini, hein. Moi je suis d'accord <laughs> avec lui, hein, mais après, mais on sait qu'au qu Girondin, on est, on est très très proche de nos valeurs et de notre passé mais ça veut... le mais, on, peu mais on peut les garder peut-être ces ce derniers Moi j'ai pas j'ai pas l'impression que, 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 que les supporters les abonnés du Stade Bollard ne se reconnaissent pas dans leur club hein. et pourtant je peux t'assurer que la data elle est bien présent dans le... idem à l'Orient idem à Reims j'ai pas l'impression en fait que, le, que, que même si le, 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 le... <laughs> je rigole parce que Gino faisait du coloriage <laughs> Putain, voilà. micro, tu en train de griffonner un truc. De, de, non, 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 mais je, Reims, bah, ouais. un, un effectif constellé de nationalités différentes, j'ai pas l'impression qu'ils aient perdu leur identité. Donc, je mm. pense qu'on a vrai. Et en plus, Gérard Lopez, qui est quelqu'un qui est féru de nouvelles technologies, je pense qu'il recherche des, des leviers de croissance. C'est quelque chose qui pourrait lui parler euh, à, à Gérard Lopez. Donc, c'est pour ça que ah, je l'interpelle indirectement là-dessus. D'accord. Bon, après, ils se sont ouverts au, à certaines personnes sur les réseaux sociaux. Bon, ce n'est pas sur le sportif. Mais... Ouais. <laughs> voilà. Allez, j'ai fait un peu d'ironie. Euh, merci, David, pour tes souhaits. C'est intéressant. Ça ouvre, euh, ça ouvre des, des horizons, euh, des lignes, des chemins. Euh, Gino, je t'ouvre ton micro. Hop. Je t'écoute. Quels sont tes souhaits ouais. 2023 pour Bordeaux alors, mes souhaits, ça soit qu'on soit sur une continuité euh, par rapport à ce qu'on a fait les six premiers mois, notamment, et qu'on ait un projet sportif qui soit en relation avec ce qu'on a montré et avec ce qu'on veut développer au sein du club. C'est-à-dire, pour moi, permettre de ne pas toucher aux jeunes qui sont de grande qualité. Je vais citer les Moanga, je vais citer les Bokele, je vais citer les Bakwa avoir l'ambition de ne pas les vendre dès ce mercato ni celui de cet été, pour avoir vraiment un socle qui soit intéressant sur l'avenir, pas jouer sur des coûts financiers, et plutôt avoir cette stabilité avec des cadres qu'on a su trouver, et je trouve que c'était là où le mercato me paraît intéressant, comme Barbet et Ensimba et par petites touches, pourquoi pas avec de l'innovation aussi, David en a parlé, moi ça ne me choque pas. Mais si on a à créer aussi un sentiment que l'identité du club et le projet est vraiment inscrit euh, à moyen et long terme et qu'il ne soit pas uniquement basé sur quelque chose qui ne nous ressemble pas. Ce que j'aime beaucoup, euh, on s'est un peu bataillé avec Samuel notamment la semaine dernière sur ça. Moi, je suis prêt à euh, être juste et lucide par rapport à une évolution qui pourrait se passer au club. Ce qui n'empêche pas que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Et que cette direction, on n'a pas le même regard sur le football de ce que je de l'ombre. Maintenant, si on peut arriver à évoluer, si on peut arriver à moyen-long terme, à avoir un autre discours et de nouveaux actes, et qu'on se reconnaisse dans tout ça, avec, je le redis, pas des changements incessants, pas une approche basée uniquement sur le trading, comme on a pu le voir avec d'énormes transferts. Et dès qu'un gamin va faire six mois ou huit mois, j'ai bien entendu euh, Gérard Loper, Lopez, pardon, dire Junior Manga, c'est un très bon joueur, c'est un futur. Ah oui, très bien, Gérard, garde-le à Bordeaux, parce que sinon tu seras responsable. C'est, on a besoin. D'avoir des joueurs qui vont représenter l'identité du club pour la suite. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait de l'ambition par rapport à ça. On a, on a cité des clubs, hein. euh, mes copains l'ont dit, notamment Lens, qui est un, un, un exemple magnifique, où je trouve que les joueurs aussi se sont euh, voilà, pleinement dans, dans le du club. Alors, ils ont su garder les bons heures. Donc, essayons, nous, de créer notre propre projet, sans copier les autres, mais quelque chose qui soit cohérent qui soit identitaire dans son aspect et qui apporte une grande stabilité, pas pour l'année prochaine, mais pour les 2, 3, 4, 5 ans à venir, avec les changements qui seront obligatoires de faire, d'opérer, mais pas n'importe comment et pas en grand nombre. Moi, j'ai envie vraiment de garder une stabilité dans ce club. Merci, Gino, pour euh, tes souhaits 2023. Monsieur Jonathan D'Agostino, on t'écoute. Je rejoins un petit peu ce qu'a ce qu'on dit Gino et David après moi déjà ce que je souhaite pour l'année nouvelle c'est retrouver un peu de sérénité et de clarté euh, dans, dans, dans tout ce qui est projet, dans tout ce qui se passe dans ce club-là parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de beaucoup de zones d'ombre notamment sur l'aspect économique du club. On sait pas vraiment où on en est et ça c'est quand même quelque chose qui est assez inquiétant en, en général. Euh, j'aimerais bien un changement de direction même si ça j'y crois pas beaucoup donc au moins un changement de mentalité. Si on doit faire avec eux dans les prochaines années, et surtout qu'on retrouve une envie et une qualité de, de travail au sein du club pour l'intérêt du club. Euh, on le voit, Bordeaux peut s'appuyer quand même sur la qualité de son centre d'information, donc il ne faut pas négliger ça et même accentuer, je pense, les efforts à, à ce niveau-là. Et également retrouver une qualité de travail dans le, recrut dans le recrutement, parce qu'il y a eu trop d'erreurs euh, depuis de trop d'erreurs de casting depuis, euh, depuis de toute façon un an, un an et demi. Euh, que ce soit au niveau des joueurs, même au niveau des staffs, avec notamment Petkovic par exemple, et par rapport aux personnes qu'on place dans tel, ou tel, euh, dans tel ou tel job, on va dire. Donc, ça par rapport à ça, je pense, que, je pense que si on arrive à retrouver cette qualité de travail là, sur la formation et sur le recrutement et sur la mentalité, sur la mentalité euh, du, euh, du club, je pense qu'on sera parti sur de bonnes bases pour retrouver une équipe sportivement cohérente simplement et parce que j'ai l'impression que les joueurs qui sont là actuellement et qui performent sont des joueurs qui sont là par défaut euh, notamment les jeunes je pense pas que c'était prévu euh, c'est pas grave ils saisissent l'opportunité ouais, tout à fait mais c'est ça le football on parle de sur la vision en fait je pense là, que c'est la vision dire, ouais. là ouais, ouais, voilà. Non, mais voilà ouais, c'est pour ça mais justement c'est que euh, on voit qu'il y a des joueurs qui étaient plutôt en machar qui n'étaient pas prévus et qui fonctionnent et c'était c'est des joueurs qui sont qui sont du cru. gars il y a six mois, personne n'en avait entendu parler. Et je ne pense pas que Gérard Lopez le connaissait. Alors moi j'en avais entendu parler il y a un an parce que mmh. quelqu'un qui travaillait dans un très gros site de foot M'en avait parlé parce que son okay. agent comprenait toujours pas pourquoi il n'avait pas signé pro. on me disait tu le connais ce joueur de centre de formation Je disais non je ne connais pas. Il mmh. paraît que c'est un crack, il paraît que c'est un crack, euh, etc. Ils il, il, il sont étonnés, ils veulent toujours pas le signer. On me disait Bordeaux veut toujours pas le signer. Et il est suivi par de très nombreux clubs. Donc voilà, juste petite anecdote. Je referme la parenthèse. Non, mais voilà, mais tu donc, donc ça montre bien que ces joueurs-là sont arrivés un petit peu par défaut, mais que malgré tout ils prouvent qu'ils ont largement le niveau comparé à la majorité des recrues qu'on a eues. On paye encore certaines recrues, euh, notamment France Sergio et Elis, où on sent que c'est les recrues qui ont coûté le plus cher. Et c'est ce qui apportent peut-être le moins d'effectifs actuellement. Ouais. Donc, euh, il y a quand même une grosse remise en question à faire de la part de la direction à ce niveau-là. Admar Lopez, effectivement, on a dit que c'était la première fois qu'il avait ce poste-là. J'entends bien qu'on fasse des erreurs. Maintenant, quand on répète, quand on répète trop d'erreurs, il y a un moment donné où on, on, on se pose quand même sur la question sur la légitimité de la personne à ce poste-là. Donc, euh, si on doit faire avec eux, au moins qu'ils changent un petit peu de mentalité, qu'ils travaillent dans, dans l'intérêt du club plus qu'autre chose. C'est ce que j'attends de leur part. Et euh, pour avoir une équipe cohérente sportivement, et même si, même si on ne monte pas cette année, euh, je pense que quand même on aura de quoi s'appuyer sur quelque chose de sportivement cohérent si on, arrive dans la, si on reste dans la continuité, si on peut se le permettre financièrement, bien évidemment, avec, avec cet effectif-là effectif majorité pour la saison prochaine. Voilà. Eh bien, merci Joe. Messieurs, vous avez la bonne année du recruteur Guillaume Duriati, qu'on avait reçu euh, dans l'émission deux fois. Il souhaite une bonne année à tout le monde et il, il dit euh, et restez au allure. top. Alors, voilà, on lui souhaite ouais, une bonne lui. année. À lui. à lui aussi. Ouais. Euh, J'ai vu qu'il était sur le chat d'ailleurs tout à l'heure. J'ai affiché ouais. son message et oui. voilà, regardez. Il est plein de belles choses avec bouche. son club. Mais juste puisqu'il s'est fait... Il travaille avec le FCMS, voilà, est recruteur au FCMS. Voilà. Donc, euh, on lui souhaite euh, les de, de nous laisser quelques joueurs quand même. Les messages, ils nous ont regardés, hein, ils l'ont vu, ils l'ont pris, hein, ils n'ont pas cherché à voilà. couler. Hein. Bon, Thomas, tu veux glisser un petit mot ou un, ou un long mot sur tes souhaits Qu'est-ce que tu souhaites pour les Girondins 2023 Et qu'est-ce que sur le chat ils souhaitent, toi et alors, le chat Pour moi, alors déjà, bien sûr, c'est un peu comme tout le monde, un peu sur la continuité et surtout sur la formation. Moi, je voudrais que ça continue. Un peu qu'on enfin, qu regarde un peu ces jeunes, même ce qu'il a parlé à un moment, de David, je crois, c'est au sujet de, je crois, pour le staff. Moi, j'aimerais un peu plus de. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a presque personne, en fait, derrière qui regarde les jeunes ou autres. comme tu as parlé de manga ou autre. Tu sais, c'est un peu trop mon inconnu. Bah, Alors, cette année, il les regarde beaucoup. Cette hein. année, il ah, regarde ouais. beaucoup avec Mais... Denis Nanco, cette année, et Montero, il regarde beaucoup les jeunes. Cette mais année, moi, oui, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Ouais, vous vous mais aimé, voilà, ça a changé. Ça continue. Il faut que ça continue. C'est voilà. Ce genre là il ne faut pas chercher. Euh... Il y a 14 heures. Euh, mais après, ouais, <laughs> sur le plan, euh, après, sur le côté sportif, ouais, que soit qu'on stabilise ou qu'on arrive à remonter, même si j'ai un peu peur de euh, monter en Ligue 1 après, euh, je n'ai pas envie de retomber dans les travers. Hein, ce n'est pas le but. Bon. Et pour le message du chat, euh, j'ai Taudy qui dit pour son vœu 2023 que François trouve un vol pour le Brésil. Bon, souhaite gentil avec euh, Fran. Ah. Qu'il soit transféré. Et voilà. Un message un peu plus long de Wally qui est pour son vœu, c'est une structure professionnelle. Une vraie, mettre le sportif au centre et construire pour qu'on remonte avec un club bâti Ligue 1. Par contre, désolé, il n'adhère pas euh, à ce que tu as dit, David. Le, euh, les Lançois ne disent rien tant que ça marche, mais attend le premier creux dans le résultat. Le supporter, euh, le supporter est versatile. Bon, enfin, ils sont quand même seconde de Ligue 1, là, donc euh, le taux de résultat, <laughs> s'ils euh, descendent un peu, c'est pas très grave. D'ailleurs, ouais. je, voulais, je voulais mettre en avant quelque chose. Je, voulais, je, trou, je trouvais que la, la banderole des UB euh, ce week-end était euh, concernant le recrutement. Et mettant On la va en parler presion, du Mercato, c'est parfait. Ouais. Voilà, Vas-y, euh... dis-le. Vas vas ah, non, non, je, vas je trouve que très franchement, j'ai été euh, très ag positivement, agréablement surpris que euh, les UB prennent, qu on, qu on, que, que beaucoup ont accusé, euh, d'ailleurs, parfois peut-être euh, à raison, hein, mais de proximité, en fait, avec la direction, que là, ils, se, ils prennent un peu de recul, qu'ils se désolidarisent gentiment, en fait, entre guillemets, de la direction et qu'ils qui, euh, qu insistent, justement, sur le, la nécessité de, 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 de se renforcer. Et, euh, et très franchement, j'ai trouvé que c'était très pertinent et, et j'ai été, euh, comme je le disais en introduction, agréablement surpris. Eh bien très bien, justement, Mercato. Euh, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand même, je remets le contexte parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui n'ont pas vu le match et la banderole. Euh, les ultramarines Bordeaux ont mis une banderole <coughs> en indiquant euh, des renforts. Euh, alors je ne sais plus comment c'était fortuné. Ils demandaient des renforts pour la bataille finale, ouais, ouais. pour la lutte, pour la montée. Voilà, ils, mmh. ils exigeaient euh, des renforts. Voilà. Et des demandes de recrutement pour ce mercato. Voilà, notamment pour renforcer l'équipe. Ça veut dire que tu recrutes bien aussi, et c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, il ne faut pas recruter. Mais si on recrute, c'est pour bien recruter. Donc c'est important de renforcer avec de Exactement. la qualité. Mais mmh. après, Chayshodé -cha 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 craint le froid. Hein, je comprends que vu les, les derniers, enfin, pas, pas, pas le dernier, le dernier été, parce que pour moi, il était, il était quand même réussi. Mais c'est vrai que vu les, les derniers mercato qu'on qu 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 a connus à Bordeaux, c'est vrai qu'on se dit toujours, on est un peu craintif en fait. On prend chaque arrivée de façon un peu, un peu, on est un peu négatif. Moi, ouais. le premier. Hein. Sur la défensive et c'est vrai que c'est témoigne aussi du moi quand il y a un joueur qui arrive je suis toujours enthousiaste quel que soit le joueur c'est la nouveauté c'est les... normal c'est ben normal souvent tu le connais ouais. pas tu dis ouais tu vas découvrir quelque chose tu sais c'est un peu et après je regarde le prix c'est comme quand tu vois un beau ouais <laughs> Ce n'est pas notre argent, on regarde un peu combien ça coûtait. Mais oui. David et Julie, j'étais curieux hein, de le voir arriver. C'est en prêt, euh, même si on se renseigne auprès de spécialistes et qu'on connaît un peu les profils de joueurs, ce que ça va donner, c'est toujours intéressant de, euh, mais de les voir jouer. Il y a toujours un petit peu de piment et c'est pour ça que ça excite euh, les supporters. Hein, le bon c'est typiquement, typiquement, en fait, euh, pas que. Hein. Parce que pour moi, de toute façon, en fait, un joueur du centre devrait toujours avoir la priorité, quoi qu'il arrive avant, avant de regarder à l'extérieur. Mais c'est typiquement en fait, le genre de recrutement qu'on devrait un peu plus faire. Dans la limite de l'équilibre de l'effectif. Mais c'est typiquement le genre de recrutement que je trouve qu'on faisait peu avant et qui sont assez, euh, assez intelligents. Allez, rumeur Mercato. Euh, on sait, Bordeaux, il y a eu l'intervention de Gérard Lopez, président, propriétaire du club, après le masque de Sochaux, euh, qui a. Euh... <laughs> déclaré dans la presse, a été relayé euh, par plusieurs euh, médias, notamment France Bleu Gironde, où il a dit une chose est sûre, de toute façon, sans départ, on ne recrutera pas. C'était aussi le discours d'Admar Lopez quelques jours plus tôt. Pas vraiment. Euh, Je crois qu'Admar Lopez avait plus ou moins dit en fait, qu'il n'y avait pas une obligation de, de vente avant. Enfin, oui, avait mais il n'avait pas, il était, il avait pas, dit, pas dit, on dit on va se renforcer. Si tu ouais, non, ouais, ouais. 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 Bon, mais entre les lignes, c'est vrai qu'Admar Lopez était moins direct. Euh, première question, euh, avant d'aborder les rumeurs qui sont sorties aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Bordeaux a l'argent pour recruter C'est euh, Soit c'est de la communication euh, et ils s'appuient, euh, en fait, ils n'ont pas d'argent pour recruter, ils n'ont pas les finances pour recruter et du coup, ils utilisent des éléments de communication de langage en mettant en avant la formation pour masquer, entre guillemets, leur manque de, euh, de finances pour recruter. Ou alors, est-ce que c'est vraiment une réelle volonté de s'appuyer sur ce groupe euh, et, de, euh, et de mettre en avant euh, la jeunesse bordelaise, notamment Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, Gino, je te donne la parole. Je pense un peu des deux, Nico. Euh, ils, ils savent qu'il y a une stabilité qui fait que l'équipe est mieux, je trouve, et notamment euh, ben, les jeunes et les cadres qui sont arrivés où ça fonctionne plutôt bien. Euh, comme l'a dit David, je trouve que le, le recrutement a été plutôt réussi si on, on le met en face de nous jusqu'à présent. Et donc moi, je dirais... Que voilà, le côté financier, on sait très bien que le club n'est pas dans une grande situation non plus. Donc, euh, ils font attention aussi à ça et au fait que la stabilité peut te permettre, selon moi, ben d'avoir une certaine continuité sportive. David ah, de toute façon, je pense que sans euh, investissement euh, de l'actionnaire supplémentaire, euh, sans départ, il y aura pas, non, il y aura pas de, de recrutement. Je pense que c'est vraiment une, 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 une question financière. Je pense pas du tout que ce soit un souhait en fait de, 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 de ne pas déstabiliser le groupe, parce que euh, parce que les manques sont quand même criants. Enfin, je pense que tout le monde le voit. Je pense que David Guillaume le voit. Je pense que Lopez le voit. Je pense que Gérard Lopez le voit. Et euh, je pense que c'est si on n'a on, on a pas été aussi à, à, actif et proactif, euh, en prenant pas un joker par exemple, comme, comme, comme Saint-Etienne, c'est clairement parce qu'il a, y, a y, a, y a une absence de fonds et une volonté présidentielle de ne pas investir plus en avant. voilà Mais, euh, Et d'ailleurs, je pense que nos joueurs étant des joueurs d'opportunités de, pour d'autres clubs et pas des priorités, euh, j'ai peur que ça se décante quand même assez tard ce mercato de, de janvier. Joe. puis après j'aborde les rumeurs. Euh, les paroles de Danmar Lopez, euh, voilà, ça, ça engage que ceux qui y croient. Euh, moi j'attends de voir ce qui va se passer. Pour moi, le club n'a pas les moyens pour l'instant de recruter. Euh, donc toute façon, tu peux pas non plus le dire ouvertement parce que sinon sur le marché, ben, oui. tu seras en position ah, de faiblesse de toute façon. Concurrentiel. C'est euh, ça. Donc, euh, et, euh, oui. Si les clubs s'intéressent à Elis ou à si tu veux les vendre, il ne faut pas que tu montres que tu es en position de faiblesse. Donc moi, ça part juste de là. Euh, maintenant, je ne vois pas comment on va pouvoir vendre ces deux joueurs-là. S'il y a un départ, je ne le vois pas de ces joueurs-là, sauf, entre guillemets, euh, une grosse opportunité euh, d'un club qui, euh, qui n'aurait pas assez regardé les matchs qu'on voit actuellement. Et, ou alors, ça serait vraiment pour libérer un gros salaire. Ce qui peut être aussi une solution, mais qui ne rapporterait pas grand chose. Mais moi, ça ferait une économie de salaire et peut-être que ça permettrait de faire venir un joueur. Notamment, pourquoi pas en prêt ou un joueur libre. Donc, je pense qu'il va falloir être très intelligent. Euh, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose, mais il va falloir être très, très, très intelligent. Ne pas trop parler. Euh, je pense que ça ne sert à rien de, de venir vendre mmh. quoi que ce soit. Voilà. Euh, parce que c'est là que tu te. C'est là que tu peux vite te, te faire griller, notamment dans un milieu qui est assez spécifique, le milieu du football quand même. Donc euh, moi j'attends de voir, je sais ce que je veux. Euh, je veux un joueur supplémentaire au milieu, à l'heure actuelle. Est-ce que je le verrai Je ne sais pas ce qu'on a le moyen de le faire, je ne sais pas. Maintenant, je pense que quand t'as pas d'argent, tu peux avoir des idées. à eux d'avoir des bonnes idées. Voilà. Aujourd'hui, on a appris, grâce au journal Lyonnais, Le Pro Le Progrès, que Lucas Rocrou... 19 ans qui a fait trois apparitions en Ligue 2 cette saison avec les Girondins, qui a joué sept matchs avec l'équipe nationale et marqué de national 3 et marqué trois buts, équipe de national 3 des Girondins, va être prêté à Bourg-Péronas, club de national qui est neuvième en national. Alors les Girondins l'ont pas encore confirmé mais il était ce matin à l'entraînement, indiquer le progrès. Donc Lucas Rocrou prêté, c'est plutôt une bonne idée. Bon, ouais, surtout qu'il rentre pas dans la rotation de sont façon effectif. donc oui donc après concrètement c'est une bonne chose pour lui c'est un jeune qui a effectivement euh, qui a été un petit peu catapulté au départ dans le monde professionnel par, par défaut comme, comme beaucoup d'autres je pense pas qu'il été prévu dix 19 ans beaucoup. déjà 19 ans mais bon je pense qu'après il y avait encore c'est encore un diamant brut qu'il faut encore polir mm. qu'il faut encore euh, effectivement il, doit, il a encore beaucoup de choses à apprendre mais justement on va voir un petit peu son potentiel si euh, si effectivement les euh, le club justement euh, pour, pour, euh, sur lequel il est prêté euh, le fait jouer. On va voir un petit peu. Euh... Euh, Est-ce que ça vaut vraiment. Euh, sur il est 80 là pour faire euh... ouais, ou mais... peut-être un peu plus. Mais, mais en tout cas, il aura plus de temps de jeu. Ouais, il aura beaucoup plus oui, de temps voilà. de jeu qu'au Girondin. Donc, c'est euh, un point d'interrogation encore ce joueur-là. Donc, on attend de voir un petit peu sur okay. sur, un, sur un temps de jeu beaucoup plus important. Donc, c'est une très très bonne chose. Mais sur pour nous. Ouais, très bien. excuse moi je, je vais un peu rapidement. Il est 20h12 et 28h12 ouais. et on va pas. Il faut qu'à 30, on ait terminé. Donc, c'est passé très euh, bien. D'ailleurs, moi, enfin, moi des... enfin, je militais non, mais j'avais soumis l'idée d'avoir un club partenaire peut-être en national 2. Pour prêter justement des joueurs des joueurs un peu en situation situation d'échec ou, 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 ou alors. National, là Ouais, National 1. Donc, euh, donc, non, non, c'est très bien. Très bien. De, 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 ce serait bien que deux puissés suivre, par exemple. Gino, tu veux oui. mettre un mot là-dessus Bien sûr. Dire un mot ouais. Non, mais s'implanter dans ce genre de championnat, bah, c'est tout, tout bon pour moi. Notamment pour ces jeunes qui vont jouer à un meilleur niveau et qui vont pouvoir s'aguerrir. On l'a vu avec Bokele. Et même, ça nous permet d'être au cœur de ce championnat et ça peut servir aussi dans des tractations ou dans la connaissance aussi, ben, de, de voir ces équipes qui ont un bon niveau et des joueurs qui peuvent sortir de, de là. On l'a déjà dit dans les précédentes émissions. Donc je trouve que c'est tout positif. Et dernière chose, on a alors ces deux médias suédois qui annoncent. Alors il y en a un qui annonce Joël Azoro, 23 ans, ailier euh, suédois. Euh, suédois avec des origines nigériennes, qui est droitier qui joue à Ju que Bordeaux se serait renseigné euh, sur lui. Il est un contrat, il a un contrat jusqu'en 2024 avec le club de Ju indemnité de 2 millions d'euros, il a fait 12 matchs, 7 buts, 3 passes décisives, 1m75, petit gabarit, il droit petit gabarit et il y a le directeur sportif de Ju qui a fait une interview dans un un autre média, on l'a relayé sur Web Girondin en, en fin d'après-midi, qui a dit que Bordeaux n'avait toujours pas pris contact avec le club, mais que euh, le joueur était suivi. Voilà, donc une piste en cas de départ d'Albert Sévis. Mmh. Il y a des choses. 2 millions, c'est beaucoup mmh. quand même. Hein. Je trouve que 2 millions, c'est beaucoup pour le Girondins actuellement. J'ai l'impression que c'est une somme. Euh, c'est une somme pour moi qui paraît beaucoup trop pour le Girondins. À voir s'il si s'est vendu, le prix, euh, le prix qui sera vendu. Mais vu le oui. prix déjà, moi, ça me refroidit de suite. Autrement qu'en prêt, je serais déjà surpris. C'est un joueur qui a joué en puis, championship, hein, qui a des Et dizaines peut... de matchs ouais. euh, en championship. Aussi, avec hein, avec d'ailleurs Ah oui, il, ah, oui. Ouais, oui. Il, oui. Il, il, il était à, à Sunderland à l'époque, il... ouais, mm. Les deux je vois. Là, pas, ouais. Il a joué à Sunderland, exact. Même s'il a d'avoir un profil un peu différent. Il est parti à Swansea quand ils sont descendus. Et les intérêts sont. Comment formuler ça Les intérêts du joueur, euh, ça serait aussi euh, dans le réseau bordelais, quoi. Donc ceux qui, qui gèrent ses intérêts. Donc euh, bon, c'est pour ça que c'est une piste qui est, euh, qui est étudiée. Voilà, c'est tout pour le mercato, messieurs. Euh, on verra hein, si le Mercato est ce qui va se passer, puisque le mercato est ouvert que depuis hier. On parle tout de suite. Il est 21h15 de la Coupe de France. Coupe de France Bordeaux-Rennes. Un exploit est-il possible Samedi 32e de finale au oh, Matmut Atlantique. Si vous êtes abonné, la place elle est incluse dans votre abonnement. Je vous le redis. Si vous n'avez pas vu passer l'info, le club a publié des informations à ce sujet. Donc profitez-en, il faut y aller. C'est aussi télévisé si vous ne pouvez pas aller au match sur Be Sport, 20h45. Quelle équipe Mais avant ça, je veux vous montrer. Euh... J'ai oublié de passer des diapositives. J'avais prévu d'en passer. <laughs> le calendrier à venir avec Bordeaux-Rennes samedi, on rejoue mardi soir à Caen. Mmh. Je le monte pour le contexte. Hein. Mmh. Et on rejoue le samedi suivant ou le vendredi suivant contre Amiens. Donc ça veut dire qu'on va avoir trois matchs en sept jours. Donc il va falloir gérer l'effectif. Gérer le joueur, gérer la récupération, ouais. c'est une des problématiques. Et notamment peut-être le deuxième ou le troisième match. Ce premier match... Euh... On va voir. Donc, est-ce qu'il faut jouer cette Coupe de France à fond euh, Est-ce que Bordeaux a ses chances Quelle équipe alignée Avant de parler d'équipe, je vais vous donner la parole sur est-ce qu'il faut jouer cette Coupe à fond Et est-ce que Bordeaux peut créer un exploit Qu'est-ce que vous en pensez, Gino Je te laisse commencer. Ben, pour moi, déjà, jouer Rennes, qui est une équipe de Ligue 1, l'une des quand même très belles équipes, selon moi, de, de ce championnat de France, c'est un bonus exceptionnel dans ton stade avec du monde qui sera là, à mon avis, en tribune. On va dépasser, à mon sens, les 19-20 000. Donc, je vois ça comme une opportunité assez conséquente pour notre équipe de se jauger, de se tester et d'amener de l'enthousiasme. Parce que je ne vois pas ce qu'on a à perdre lors d'un match de ce niveau-là. Alors, ou on joue une plus petite équipe et on aurait aimé passer des tours, ou on le joue à fond et on verra bien ce qui se passe. On connaît le règlement de la Coupe de France en plus, qui au bout de 90 minutes, il n'y a pas de prolongation. Donc j'ai envie de dire ben, voilà, mettez tout ce que vous avez, faites-vous plaisir. Et je mmh. vois ça comme du, vraiment du positif. Et il n'y a aucune appréhension à avoir, selon moi, sur ce genre de, de match. La pression, elle était contre Sochaux elle n'est pas contre Rennes. Pour moi, c'est du positif et une bulle d'enthousiasme et d'oxygène qui peut être super intéressante à avoir ce, ce samedi à Bordeaux. Montrez-vous, jeune Bordelais et ancien. Mmh, Rennes qui suis... joue en ce moment, en mmh. plus, c'est à prendre en compte dans la récupération. Nous, on a joué vendredi, Rennes y joue maintenant contre Nice ils reçoivent Nice le match a commencé ils il qui... il gagnent il gagne à 0 ils gagnent à 0 il y a un deuxième but là sur assistance ah non il a été annulé le but voilà. donc c'est toujours un et Rennes avec cette victoire qui se place 4ème 3ème 4ème je crois 4ème je crois de l'idée Marseille a gagné ils étaient devant eux donc euh, ouais, je crois qu'ils gagnent ils sont encore 4ème ouais, ouais. Hum. Monsieur David Guzman, qu'est-ce que tu en penses Il faut jouer le coup à fond. Est-ce qu'on a ouais. notre chance Gino, il bon, est enthousiaste. Moi, je suis bon, enthousiaste. J'ai pas... envie d'y bon, croire. Ça me je fait, je fait rêver. Ouais. Moi, tout, je ne de... suis pas du tout en fait, partisan de choisir ces compétitions. En fait. Je pense que c'est toujours une mauvaise. Euh, c'est toujours un, 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 un mauvais choix. Je, je pense que c'est toujours une mauvaise option dans le sens où euh, la victoire appelle la victoire. Euh, je, pense que, je crois beaucoup. Je crois beaucoup au momentum en sport, au, au spiral. Et très franchement, euh, même, même quitte à, à, à ne pas se qualifier, euh, je pense vraiment qu'il faut. Ah, ça ne veut pas dire de, 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 de garder le même effectif, de ne pas le faire tourner, mais de garder une équipe de, de compétitive, de respecter cette compétition. On s'est quand même, on quand même sorti d'un beau guet-apens à Trélissac Enfin, euh, contre Trélissac, le, le, le tour d'avant. Et, euh, et en plus, euh, avoir, une, avoir une compétition euh, supplémentaire, ça permet aussi de gérer un effectif qui est d'une petite vingtaine de joueurs. Donc, euh, donc avoir des matchs en plus, ça peut être aussi une opportunité en fait de, de, de gérer plus facilement cet effectif. Moi, je suis vraiment pas pour faire une, une impasse d'une parce que ce serait pas à respecter la compétition. Et de deux, quel message t'envoie au au coiffeur que, que, euh, que ta ligne? Les gars, ils vont se regarder en vont faire bah, « en fait, euh, attendez. Euh, nous, on nous aligne contre Rennes, on nous envoie l'abattoir, et ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on est considérés comme des, des joueurs inférieurs, des joueurs des réservistes, et euh, on est, on Enfin, est, euh, ça crée un peu une scission aussi euh, dans le dans l'effectif que moi j'aime pas trop. Je préfère aligner un effectif mixte et jouer le coup à fond. Très bien. Et tu penses qu'il y a un coup à jouer ou ça va être. Ouais. Euh, euh, non, mais ça va être compliqué, mais il y a toujours un coup à jouer. Enfin, de... Coupe oui, de France. Pourquoi pas Ouais, ouais. de France, pourquoi pas, Quatre... comme l'a justement dit Gino, 90 minutes, pas de prolongation, pénalty directement. Ouais, bien sûr, il y a toujours un coup à jouer. Rennes est encore qualifié en Coupe d'Europe, Rennes joue le podium. Euh, Rennes a un énorme effectif. Hein. Ils ont deux voire trois joueurs à tous les postes et certainement un des meilleurs de la formation de France. Donc, euh, et Rennes rejoue compliqué. après. Hein. Ils Red, on après le, le, mar le mardi ouais. aussi ou le mercredi. Hein, donc, okay, euh, ils sont très compétitifs, donc, euh, mais ouais, pourquoi pas, bien sûr. Mm -hmm. ah, c'est intéressant. Je rappelle que Gaëtan Poussin est suspendu. Ouais. Suite à, il n'aurait pas euh, joué à... toute façon. Ouais, de, de, de toute façon, il n'aurait certainement pas joué, donc ça sera ouais. Rafal Strausschek dans les buts et le gardien, un autre gardien en, en numéro 2, donc un gardien qui va monter euh, de la réserve. C'est non, c'est Grégor souvent. Peut-être, ouais. Peut Sûrement, c'est lui, c'est lui qui, oh. qui essaye de. Que le club essaye de, de monter, de propulser en tout cas à ce poste-là. Euh, côté René, je ne suis pas informé sur des, sur des blessures ou autres. Il y a des Joe... blessures de longue durée comme Santa Maria, euh, il y a des joueurs là, comme ouais. ça. Mais là, là, sinon, ce soir, c'est l'équipe type. Hein, genre, la compo, ouais. c'est l'équipe type. Ouais. Je pense, je pense qu'ils vont faire tourner contre nous. Mmh. Oui, ils comprends... vont faire tourner, mais ils ont des bons joueurs. Hein. Ils ont mmh. doué, doué. Désiré Doué qui n'est pas là aussi. Ouais. Ouais. Comment tu vois ce match, Joe Qu'est-ce que tu attends euh des Bordelais. Alors, Comment aborder cette rencontre Moi, ce qui m'inquiète du côté Bordelais, c'est le, les matchs-événements que généralement on rate ces temps. Je me rappelle du premier match contre Valenciennes. Alors, on sortait effectivement, ça avait été compliqué. Euh, une semaine avant, on avait savait pas si on allait jouer à Ligue 2, etc. Mais je m'attendais à un gros événement, grosse ambiance c'est tout. On ressort d'un 0-0 qui n'est pas forcément flamboyant. L'événement contre Le Havre, c'était quand même le match le plus important de ce début de saison. J'ai l'impression qu'on passe un peu à côté. Donc, j'ai l'impression que dès qu'il y a un événement, on passe à côté. Euh, ces, ces derniers mois et même parfois j'ai l'impression ces dernières années sur les matchs importants euh, donc déjà j'espère que ce match-là on va pas passer à côté peu importe ce qui se passe euh, quand tu regardes un petit peu jouer le stade Rennais ce qui est intéressant c'est alors c'est une machine de guerre hein, c'est la deuxième euh, deuxième meilleure attaque je crois et quatrième défense si je dis pas de bêtises euh, quand tu vois l'équipe Martin Terrier Guiri Madanda théâtre en défense Bourgui joue au milieu ça fait peur hein, sur le papier tu fais pff, oula c'est quand même c'est quand même très costaud mm. mais il y a des petites parfois des, des, des petites choses qui te font dire qu'il y aura des quand même des Il y aura des choses à, entre guillemets il faudra profiter de certaines choses. Euh, déjà quand on regarde leur match, on s'aperçoit qu'ils sont Ils ont quand même des temps faibles sur 90 minutes ouais. euh, ils, Pendant 5-10 minutes ils vont perdre la majorité des duels, ils vont perdre leur, leur solidité, leur bloc défensif et ils ont tendance même à reculer parce qu'ils ont peur d'être pris dans le dos c'est on... compliqué aussi. Hein. Ouais, bon, ils pas... ont une défense très, très lente. Du coup, malgré la jeunesse, hein, pourtant c'est pas des joueurs anciens. Mais effectivement, ils ont une défense centrale qui est très lente et qui, contre reste, ils ont souvent été pris dans le dos, justement comme ça. Donc, c'est une problématique que le que le, que le de genizio gère quand même de mieux en mieux. Hein, les, les périodes quand même de, on va dire de de moins bien sont quand même moins longues. Mais elles sont là. Tous les matchs elles sont là. Et il y a aussi quand tu regardes, quand tu lis un petit peu les sueurs du stade rennais, il y a quand même beaucoup de, de, de détracteurs sur le 4K2 qui est en place, notamment sur les interlignes, on sent qu'ils sont un petit peu fragiles à ce, ce niveau-là, et qui n'est pas forcément adapté à certains joueurs, notamment Kalimundo, qui ne performe pas quand tu vois la qualité du joueur, la façon de jouer sur la possession, etc. qu'ils ont. Il y a certains joueurs qui ne sont pas forcément à l'aise. Donc tu peux aussi les mettre en difficulté comme ça. Après, ils sont sur un rythme clairement de champion, ils ne sont, à plus, de, ils sont à plus effectivement de, 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 de points par match, ça reste quand même une machine. Mais ils ont quelques trous d'air et quelques flottements qu'il va falloir effectivement euh, utiliser. Ils s'en sortent généralement, malgré tout. Ils, ils vont quand même chercher des matchs nuls alors qu'ils sont en grande difficulté, notamment contre Lille, ils subissent tous les matchs, ils vont quand même ramener un nul ouais. miraculeux. Mais, mais très sincèrement, nous, on, a, on, on va avoir une chance à ce moment-là, c'est dans leur trous d'air, il va falloir vraiment qu'on soit performant. Comme on l'a fait contre Sochaux, on n'a pas frappé beaucoup plus que face au Havre. Par contre, les occasions qu'on a eues, on les a mises au fond. Si on peut arriver à avoir cette même efficacité sur le match contre Rennes, on va pouvoir vraiment les déranger sur ça. Après, on va subir hein. le match on va le subir hein, très clairement dans les physiquement, techniquement, ils feront peut-être tourner, hein. collectivement très clairement va... même quand tu, vois, quand tu vois le banc de Rennes, de Rennes il, est, il, est, il a vraiment le niveau Ligue 1 aussi donc euh, voire même, même le niveau international pour certains donc euh, il y a des joueurs qui ne jouent pas tu dis pourquoi ils jouent pas donc euh, donc voilà et quand tu vois effectivement aussi le match contre Reims, ont, lors de la reprise, ils sont complètement passés à côté, notamment lors des 20 premières minutes, je crois, où ils prennent deux buts. Euh, ils perdent tous leurs duels, ils sont complètement étouffés par le pressing de et de l'adversaire. Ils ont été surpris, tu le sens. Alors, il y a eu une, la coupure, ils ont eu quand même huit joueurs qui sont partis au Mondial, donc c'est peut-être pour ça aussi, même si la trêve a été bonne pour eux en termes de résultats et de travail. Le match de reprise a été très compliqué pour eux parce qu'ils qu ont été vraiment bousculés par l'équipe rémoise. Qui ont des qualités supérieures à nous, il hein, ne faut pas se le cacher non plus. Et ils ont souvent, comme j'ai dit, été pris dans le dos de leur défense et ils ont perdu beaucoup de duels. Ils ont un gros temps faible qu'ils n'ont pas vraiment su, effectivement, à, entre guillemets, gommer. Donc, euh, c'est une équipe très, très forte, mais il y a des faiblesses. À nous de savoir les exploiter. Voilà. Eh bien, merci, Joe. Euh, quelle équipe bordelaise vous voulez voir 21h25, on va faire l'équipe et les pronos. Je vous montre juste l'équipe mmh. qui a débuté face à Sochaux. Sochaux. Chaud, 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 hop. Est-ce que euh, on reste comme ça Qu'est-ce que vous en pensez, David et Gino non, Moi, je relancerai, moi, moi, je, euh, je, je resterai quasiment inchangé. Je relancerai la coupe euh, mmh. au, au milieu, et, euh, et sinon, je changerai euh, quasiment rien. Peut-être Elise pour le mettre en vitrine à la place de Maja Badji et, et, et euh, Strachek, mais sinon, euh, non, je changerai rien. Ok. Gino Ouais, c'est très juste. J'aurais dit à peu près pareil que David. Euh, Lacou j'aimerais bien le revoir aussi. Au milieu, Alors, surtout Kinyatenko. Ouais. Ouais. Ben, voilà, Strachek va démarrer dans les buts. Mm. Et devant, voilà. Elise, ça ne me choquerait pas non plus. Même si j'avoue que le duo, ben, pourquoi pas le, le consolider mm. aussi. Donc tout est sur la table. Mais si on peut garder une certaine stabilité par rapport à aussi au championnat de Ligue 2, euh, mm. pensons aussi à nous. Et ce qui ne veut pas dire qu'on est ultra confiant. je voyais sur le chat, euh, on sait très oui, bien que bien Rennes, Rennes est largement favori. de l'a Mais peur. voilà, c'est oui. plus par rapport à nous. Euh, même un, un bon du... contenu, même un voilà. bon contenu, moi je le prends. Même une Exactement. bonne défaite 2 0-3-0, je le prends. Si le contenu est bon. Attention, Attention alerte alert, sur nous. Alerte, Nice a égalisé. Ah oui. ouais, et, et bon ça montre temps. bien ce que euh, les trous d'air. Alors qu'ils dominaient le début du match, hein, ce que je vois, franchement, euh, ils, sont, ils sont largement au dessus, mais le petit trou d'air a fait qu'ils ont pris un but. Ouais, et Delorier Chaubet qui ne sera pas là puisqu'il s'est fait, écrire, ah oui. qui est suspendu hein, côté Bordelais. Donc ça fait poussin. Et Delorier Chauvet peut-être un retour de Michelin, certainement pas, et va le préserver peut-être pour le match suivant. Mm. Bokele on n'en on en a pas beaucoup parlé, mais il avait vraiment fait une, un, un beau match. Et on a retrouvé euh, le Malcolm, je trouve, euh, du début mm. de saison. Qu Quand même. Mais moi, je tenterais peut-être un coup avec Michelin à la place de David Ashvili. Parce que tu sais que tu vas le subir le match. Tu sais que David Ajvili, ça euh, les efforts défensifs, ce n'est pas trop son dada. mais Il les a fait contre Sochaux. Hein. Mais tu vois que bon, c'est un peu contre nature euh, pour lui. Donc, euh, pourquoi pas effectivement tenter plutôt à michel avec un David Vili pour aider les euh, sur l'aspect défensif et être un peu plus bas. Sur le côté gauche, faire monter un Simba, ça serait un peu compliqué pour, pour mettre Ecomier. Je trouve qu'Ecomier, ça serait un petit peu compliqué pour lui de le mettre sur un, sur un match comme ça. Mais… J'aurais bien doublé les côtés euh, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de force sur les côtés et beaucoup de vitesse sur les côtés euh, au stade Rennais. Le duo maja badji ne me gêne pas, notamment que Badji, euh, il a quand même une puissance qui lui permet quand même de prendre les vitesses parfois des adversaires aussi, donc sur la profondeur, pourquoi pas. Et essayer de faire entrer effectivement Ellie sur les 20 dernières minutes aussi, en espérant qu'il a envie de, de tout casser vu que c'est une équipe de Ligue 1 et qu'il estime qu'il a le niveau Ligue 1 d'après ce que j'ai compris. Mais euh, pourquoi pas tenter un coup à droite avec Michelin et Boquelé euh, sur le côté droit, les mettre euh, titulaires tous les deux Voilà, c'est le seul. Voilà. Ah, Allez messieurs, c'est l'heure des pronos. Gino, tu as pronostiqué le bon score la semaine dernière, on t'écoute. Ah, écoutez, hein, si vous êtes chez vous, euh, le score, c'est Gino <laughs> qui va le donner. Alors, c'est sans engagement allez, hein, par eh, contre, hein. Ouais, non, là, surtout pas euh, sur ce match. Ne visez pas, je euh, euh, <laughs> il décline toute responsabilité. Hein. C'est clair. Gaëtan Poussin est meilleur en Paris que moi, on va dire. <rire> <rire> voilà, retire, voilà, on retire, voilà, voilà. on retire. Voilà, voilà. Fou... Fou... Ah non. Alors, moi je dirais un partout et Victor au tire au but. Ah ouais, tu vois la victoire, ça serait beau. Je suis une direct. C'est génial, tire au but. Donc les deux du foot sont de notre côté. ok Et surtout qu'il n'y a pas de prolongation, c'est ça au Coupe de France, on ouais, ouais, est d'accord. C'est tir au but direct. Ouais. Ouais, d'accord Ça c'est bien, j'avais oublié. Ouais. Hum. Et, et en 32e, on peut parier sur la Coupe de France, qu'on ne pouvait pas faire. Je sais parce que WebGirondin, on est partenaire Unibet. Mmh. Donc, euh, on vous présentera les, les pronos chez Unibet. Euh, bien sûr, il faut être majeur, etc. Euh... Thomas, tu as mis un, un petit sondage sur euh, le ouais. chat et sur les réseaux. Quel est euh, l'avis des internautes, des spectateurs Et quel est ton prono aussi ben, Je serai dans la majorité. Je ne suis pas surpris, c'est une défaite. Après, le... ouais, je pense qu'on prend. Un... Allez, on prend 4-1. On perd 4-1. Ah ouais, d'accord. Ah, le chat, vrai. ils disent qu'on perd 4-1. Ah ouais, c'est lourd. Et toi Alors attends, attends, attends. moi, c'est moi plutôt le 4-1. Après, eux, ils ah perdent. Oui, un, un, voilà, euh... Ah ouais, d'accord. Le chat, il nous voit te perdre et toi, 4-1. Ah ouais, d'accord. 0-3, ouais, il y a du. D'accord, ah ouais, c'est la, la grosse confiance. On, on Après, va se battre a priori d'après Arunas et on perd 3-2. 2-0, oh, nous dit Michel, que je salue. Michel Moreau, salut Michel, Michel. doyen des sociaux. David, ton prono 3 1 Rennes oh là là. Joe Je pensais aussi à un 3-E parce que je pense qu'on va rater encore l'événement. Oh là là, les gars. Si vous êtes joueur, ne nous écoutez pas, vous, vous arrêtez <laughs> la vidéo maintenant. <laughs> Mais je pense qu'on peut un petit peu les peut-être les titiller. Tu vois, je vois bien ouais, ouais, Red qui marque un, euh, un ou deux buts et puis nous, on on, voilà, on met un but et comme ça, ça allume un peu le stade. Ça fera toujours un petit euh, un petit moment sympa. Mais je, je suis persuadé que l'équipe va encore passer à côté du match et qu'on va se faire et qu'on va se faire croquer et que nous, on sera. Je sais pas il y a quoi. une grosse équipe en face, mais je pense qu'on on aura des, des joueurs valeureux, j'espère qu'on aura la grosse équipe, l'équipe titulaire. Euh, Moi je, je, oui, je pense pas pourquoi ils changeraient. C'est un bon moyen de se tester, de se jauger. Aussi les joueurs vont pouvoir se comparer Exactement. avec une équipe du haut de tableau de Ligue 1, ça c'est intéressant parce que peut-être que dans 7 mois on sera en Ligue 1. Ouais. Peut-être pas mais peut-être que oui. Donc c'est un bon moyen de se jauger, de voir quelle sera l'adversité. Donc je me dis qu'on va peut-être arriver à monter le niveau. J'espère juste que l'équipe va pas être trop que les joueurs vont pas être trop individualistes et qu'ils vont bien jouer en équipe et qu'ils vont pas chercher à se montrer. Et que ce qui compte, c'est vraiment ce qu'ils vont faire en équipe et pas les individualités. Voilà, ça c'est ce que je souhaite. Et sinon, sur le score, allez, un petit 1 partout et puis une victoire au, au tir au but, mais comme Gino. Voilà. Il se met dans la route de Gino. Là. Ouais, j'ai pas se fait exprès, la... mais peut-être inconsciemment, ouais, ça, ouais. je ne sais pas. Ouais, il se met dans, il... dans la roue Gino. Ouais, il pronostique les bons scores. Mais... Voilà. <laughs> non, mais alors moi, si je devais faire un, 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 un prono, je dirais euh, euh, Rennes, euh, plus de 2,5 bulles dans le match. Voilà, pour, si tu veux avec, avec le partenaire. <laughs> un peu. Non mais je vais pas regarder. Mais en combiné. Pour ceux qui combiné, parient. Voilà. Pour ceux qui parient, voilà. Chez votre bookmaker. Ça annonce et... les, la blessure de terrier, a priori. Ouais, ouais apparemment. Là, est là, il est... là, en fait, il est par terre. Il y a la, la civère qui arrive. J'essaie de revoir ouais. le ralenti pour voir ce qui s'est passé. Ah oui, c'est à l'instant, c'est ce que disait Isa sur le chat. Ah, ouais, ouais, je ne sais Ça pas fait. ce qui s'est passé. Mais... mais déjà, il était tombé deux minutes avant. Euh, il avait l'air au sol elle, et elle, tout. Elle, elle, Isa, Isa, par contre, elle a une fibre. Elle, elle à chaque fois, elle est, elle est au moins 30 secondes en avance sur moi. À chaque fois, dans le chat, quand il y a un match. Ah ouais? À mon avis, elle habite, elle habite sur un poteau. Euh, sur un... Attention, vu! Ah ouais, bah voilà! Je vais juste le recruter à mon petit gazon, Martin Terrier pour qu'il ah prix et je suis un peu dégoûté. Il <laughs> <'envoie> même... <laughs> ah Tiens, elle nous refait un message. Ah oui, oui, on l'a ouais. vu. Hein. Non, non, mais là, il faut Donc, le mettre sur la civière et tout. Il a l'air. Ah enfin, là, il a l'air vraiment. Euh... Bon. Voilà, C'est un de leurs hommes forts. Hein. Mais bon, ils ont de la ressource. Ok. Là, bon. Apparemment, ça serait le genou. Ouais, ils annoncent fin de saison sur le. Sur ah, le si chat si c'est les Il y a les médecins sur le chat. Fin de saison. Ah, oui, non, non, non. <laughs> tu vois que, non, non en fait, ils il viennent tacler un ballon et tu vois qu'en fait, le, bah, que la jambe, elle part pas normalement. En fait, du coup, donc, euh... Bonne année à Frédérico Gomez, supporter de Boavista. On te salue. On espère que ça va bien du Boavista. Ils se sont fait sortir par un club de D2 en Coupe de la Ligue. Il y a quelques semaines. Salut, Frédérico. Bonne année à toi aussi. Bon, messieurs, on a terminé. Et merci à vous, c'était une émission très agréable pour ouais, la première de l'année, je suis très beaucoup, content de euh, l'avoir fait euh, avec vous c'était super ouais, <laughs> et, et voilà donc euh, 21h33, <laughs> merci David Guzman merci, bah, merci Jonathan D'Agostino merci, à merci, à merci gars, Monsieur Tom érodé. merci <laughs> Monsieur Gino Forte la connexion a tenu Gino on s'est accroché, on a réussi voilà et euh, et la rude, mise au chef, à Romain, qu'on a et eu là, euh, le plaisir de, de voir. Romain Avril, compagne, ouais. chef de Toronto, ouais. qui a fait 7000 km pour voir le match ce week-end ouais. et qu'on a, qu a croisé, euh, bien sûr, avant le match et vous euh, pendant le match. Ouais. Et après, ça en a gagné, donc euh, il a compagne. bien fait de venir. Ouais. Et Exactement. <laughs> et Barbé et Simba qui ont été d'ailleurs euh, les salués à la fin euh, de la rencontre. Bravo Bon, salut Seb aussi. Salut Seb, c'est toujours sympa. Ouais, ouais tout à fait. Salut Seb qui est sociaux. et Isa et, et le chef il a dévalisé euh, la boutique, hein. trois maillots. <laughs> il a raison, mais il a raison. La doudoune euh... aussi, euh, je crois pour sa femme et tout. Et ah bon a eu... oui, oui, le manteau aussi, manteau etc ils ont fait la panoplie complète. Ils Donc on devrait voir Toronto. C'est ça, voilà, devrait voir quelques-uns des en dans les rues de Toronto. Allez, je vous ouais, remercie de nous avoir suivis en replay ou en direct. J'arrive plus à parler en direct. Oui. Euh, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et devenez sociaux. Je mets le lien en commentaire et c'est en description. Passez une bonne soirée. On se quitte avec le générique des sociaux. Allez, salut, à bientôt. Ciao. Salut les gars. Bonne soirée salut. à tous. Allez Bordeaux. Salut tout le monde. you <laughs>